Salut à tous les amis et bienvenue dans, dans Orge, l'émission la plus frauduleuse du Twitch Game. Évidemment, journée de gala, soirée de gala à venir aussi avec euh, le Ballon d'Or qui va être remis ce soir. Toujours pas, pas d'infos sur le vainqueur. C'est pas des larmes que je vois sur tes joues hein. ça, ça a séché un petit peu, <laughs> ça a séché là, regarde. Ça, ça va, c'est bon, c'est propre Ok, bon. Alors ce soir, hein, évidemment, le, le Ballon d'Or sera remis. On attend de savoir encore hein, qui, qui, va, qui va le gagner. Mais nous, on va, on va en parler un petit peu tout en revenant sur l'actu foot comme d'habitude euh, avec toute la team qui est présente aujourd'hui autour de la table. Il y a Bruce qui est là voilà. Il, vous l'avez reconnu tout de suite. Il est, il est content aujourd'hui il a le sourire. Non, il a passé sa journée à sourire. Il est Les gars, pourquoi vous faites les gamins ça fait 100 ans. Ça il va avoir le BO en vrai. <laughs> on le sait depuis longtemps. Moi je suis tranquille après le gars est heureux donc je suis heureux. <laughs> toi 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 tes serein en fait. Toi tes mais, mais avec Messi on a toujours été serein nous, ça fait longtemps oui, qu'on est serein. Mais tout ça tous ceux qui kiffent mais ici on est serene pilote. Là, votre l'attitude tu vois quand quelqu'un est profond, tu Il vole. il est léger. les petits cafés, Vraiment tu sens qu'il est dans une belle journée c'est magnifique. Il y a Pipion qui est là aujourd'hui aussi avec un maillot du FC Rocancourt. Comment ça va Pipion Bah écoute ça super ouais, c'est mon mon Costa à moi, c'est mon maillot mon de gala club de district du Calvados on rend hommage, on va très très loin là dans le hipsterisme. vraiment le FC Rocancourt. Ah ouais, il est loin, moi ouais, non plus <laughs> Belle en cours cours, mais là le, le Avec maillot un sponsor qui est sympa aussi. Ouais. <laughs> exactement. À quand, à quand la chronique League 2 euh, Pipion, Du coup, c'est quand qu'on la lance officiellement C'est bah, quand tu veux. En plus, moi ouais. j'étais voilà. On a vu ce qui s'est passé hier à Marseille Lyon, mais Bordeaux oui. rodez crois-moi aussi. Oui. Hein, oui. T'es oui. tendu, hein, attention. Hein. <laughs> la panthère Albert Ellis, le coup de boule et tout, ça rigole pas. Ah hein. ça, ça renvoyait. Ah ouais, bah, voilà. C'est on... pour, pour ça que j'ai envie qu'on la fasse. T'es quoi on va, on va en discuter. Je pense euh, peut-être lundi prochain, on lance ça. Et y a Zach aussi qui est la Zach qui est. Qui n'a pas pu voir euh, voilà, cet Olympico comme tout le monde et qui est dépité. Dépité encore Je, je vous le dis, à un moment, je vais faire un thread Banter Era ouais. 2023-2024. Euh, on va commencer très très haut. Hein. Ah, parce que, que, que tu l'as pas déjà fait le thread Parce que quand on va sur ta page Twitter, c'est déjà un thread. Mec, euh, DNCG, Olaz ouais. hein. groupe pourri, euh, entraîneur viré, l'IR Club qui n'a pas gagné. Plateau, plateau. Il n'y a pas une semaine, NUAMA peut-être. Il n'y a pas une semaine où on respire, c'est un délire. C'est catastrophique. Et sinon, j'ai vu des s'inquiéter euh, du costard pas costard, vous inquiétez pas, on ah. va aller, on va aller dans, après, on va être bien habillé en conséquence, on n'est juste pas arrivé ah, comme de ça. Façon, sinon on rentre pas donc. Ouais, sinon on, <laughs> on rentre pas. pas, pas. Mais vous inquiétez pas, on vous fera une photo sur le tapis. Oui. On se le disait avant et vous aurez la team en jeu qui va fièrement représenter l'émission là-bas. Restez à l'affût hein, des, des réseaux, euh, je pense que ça va être ça va être très drôle ce soir. Bon alors euh, le sommaire pour aujourd'hui en tout cas, salut à ceux qui nous regardent sur YouTube, euh, sur TikTok et qui nous écoutent en, en podcast aussi. Merci de de, de laisser des, des, des likes hein, sur les vidéos YouTube, les vidéos des replays, des replays, pardon, ça nous permet eh ben, d'être mieux référencé et de faire euh, progresser l'émission. Sommaire du coup pour aujourd'hui. Les immanquables du week-end, le classico, le derby de Manchester. Euh, on va en, en parler d'entrée de jeu dès le début de, de l'émission qu'est-ce que vous avez pensé de ces rencontres le ballon d'or du coup euh, petite question est-ce qu'il est toujours aussi important à vos yeux oh, oh. on va vous poser la question à <laughs> vous sur le, mythique, de gagner, sur le chat et sur les plateaux, et la incroyable. team Orger va bien sûr aussi donner son top 5 de, du ballon d'or voilà cette, cette <laughs> ah, pas derrière moi derrière vous mais pas derrière moi pas derrière magnifique s'il vous plaît pas derrière moi magnifique euh, la Ligue 1 donc avec ce nouvel incident on, on dont on aurait vraiment aimé se passer à Marseille. Est-ce que c'est le scandale de trop, le débrief de toutes les autres rencontres du championnat de France, le Tour d'Europe Avant de finir par le PronoGate, on commence aussi avec notre partenaire Winamax dans cette émission qui est là avec nous, qui nous soutient, qui nous supporte. Vous avez le code Orge10 qui vous permet d'avoir 10 euros supplémentaires sur votre premier dépôt, votre premier dépôt qui est doublé en pari gratuit. Vous déposez 100 euros, vous avez 200 euros pour parier. Et je vous rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et qu'il faut faire attention quand on. Paris, tout simplement. Voilà, parce que ça, ça peut amener euh, des choses assez, euh, assez compliquées. On enchaîne, messieurs, on commence tout de suite avec nos débats et on va. Euh, euh entrer dans, dans le vif du sujet avec le Classico. Et oui, tout à fait. Victoire du, du Real Madrid. Alors, un match très spécial. Très, très, très spécial parce qu'on a vu une domination du Barça sur la première partie de ce match. Un Real Madrid euh, assez perdu sur le terrain avec des joueurs qui euh, ont réellement euh, sous-performé. Et par la suite, euh, on a vu, bah voilà, Bellingham complètement changer euh, le destin, on peut le dire. Là, vraiment, a il a changé effectué, le hein. destin de cette rencontre. C'est vrai que là, cette saison, il est, il est juste exceptionnel. Messieurs, euh, comment, comment est-ce qu'on peut expliquer un tel scénario Je commence avec toi, Bruce. Comment, comment Comment t'expliques que, que le Real arrive encore une fois à sortir de cette situation euh, bizarre Il <laughs> euh, y a plusieurs explications possibles. Déjà, le Barça, pendant une heure, euh, franchement, ils sont au-dessus du Real, il n'y a, y a pas photo, ouais. ils n'arrivent pas à tuer le match, à mettre ce fameux deuxième but, et c'est vrai qu'ils ont souvent un problème pour tuer les matchs et c'est ce qui va leur coûter très cher derrière. Il y a le coaching aussi de Xavi qui est un peu bancal. C'est vrai que les changements qu'il a fait, ça a pas payé contrairement à Ancelotti qui lui par la force des choses est obligé de faire rentrer des toliers et tout et ça a plus fonctionner. Donc je dirais que le coaching de Xavi aussi était pas ouf et puis bah il y a le facteur X depuis ce début de saison. On a l'habitude où as Bellingham, euh, même s'il n'est pas dans un grand soir, tu as l'impression, enfin dans un grand jour pour le coup, euh, qui arrive à te sortir encore un doublé dont une frappe assez incroyable. Ouais. Et puis voilà, hein, c'est l'arbre qui cache la forêt très souvent pour, pour le Real quand même en ce début de saison. Moi maintenant, ma petite interrogation, c'est le jour où en tout cas quand il aura une période un peu de moins bien niveau stats ou finition, parce qu'à chaque fois il est sauf, c'est devenu une habitude. Il y a peut-être un moment où il marquera un peu moins. Et c'est là où faudra il faudra peut-être qu'il y en ait d'autres qui prennent un peu le relais, mais en tout cas, Bellingham, son début de saison, il est juste lunaire, quoi. Ouais. Tout lui réussit et. Et voilà. et son match n'est a... pas ouf en plus, c'est ça le Il y dire. en a, il dit, c'est de la vraiment chance. Oui, mais ce n'est pas la première fois qu'il nous ouais. fait un match pas ouf, mais qu'il est décisif quand il faut. Et donc ça compte, hein. il sauve à chaque fois le Real Et ce n'est pas une question de chance, ça se provoque. Quand ça répétition comme ça, le mec, il est sur une autre planète. Et puis, et puis voilà, et barre Barça, c'est dommage pour eux, parce que pour le coup, ils auraient pu gagner ce match. Mais comme je l'ai dit, ils n'ont pas su tuer le match. Il y a eu un très bon Gavi pendant une très grosse partie du match aussi. Mais encore une fois, je pense que le coaching de Xavi... Ça a, aussi fait, ça a eu aussi euh, son importance. Ouais, toi, tu, tu, ouais. tu, tu vises beaucoup le, le, le coaching. Euh, Zach, c'est vrai qu'on on regarde un petit peu euh, voilà, euh, la compo de départ du Barça et on, on, on voit que cette compo, elle est quand même assez particulière. Ouais, il y a plein euh, d'absents. Voilà, il y a plein d'absents, déjà, ça, on plein le sait. Hein, de Jong n'est pas là, Pedri n'est pas là, Lewandowski a commencé sur le banc. Raffinien. On voit Joao Cancelo carrément ailier droit. Enfin, On voit plein de choix qui sont assez spéciaux. Et pourtant, le match commence très, très bien. Euh, toi, pareil, je te pose la même question. Comment tactiquement, ce match a pu euh, presque échapper au, au Barça Est-ce que finalement, c'est juste bah, voilà, Bellingham qui, qui fait tout dans, 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 ce, dans ce match et qui fait que bah, ça, ça tourne. Bah, déjà euh, franchement, Le Barça contrôlait. Le Barça contrôlait assez largement ouais. et ça en était même gênant à la fin de la première mi-temps, tellement le milieu du Real Madrid se faisait vraiment travailler dans, toute la, ouais. euh, dans toutes les phases qui étaient nécessaires, que ce soit tenir le ballon, dans la pression. Et d'ailleurs, le but vient de ça. Euh, même Tony Kroos a, a fait une partie vraiment extrêmement mauvaise. C'est pris des pressings dans tous les sens et tout. Ça a été très difficile pour lui. Et quand il a fait entrer euh, certains joueurs, on a vu des différences être faites. Assez largement Modric, à individuel. Ouais. Modric, Kamavinga, Kamavinga, mmh, avoir tout. juste ah, quelqu'un oui. en jambe. Tu ouais, vois. Oui. Il n'est pas loin d'aller chercher un pénalty. Je crois que finalement, lui aussi, il fait un peu croc en jambe et tout. Je ne vais pas repartir sur un débat pénalty ou pas. Mais en tout cas, la, la seule chose que je veux dire, c'est qu'il a été dans des actions qui ont été importantes. Et on sait que le Real Madrid de Carlo Ancelotti, c'est un Real Madrid qui est très basé sur la liberté des individualités oui, c'est-à-dire ouais. je vous propose une structure mmh. et à partir de cette structure faites la différence parce que vous êtes individuellement assez fort pour pouvoir la faire euh, vous-même ce qui déplaît à certains parce qu'il y en a ils aiment bien quand les choses sont carrées voilà, comme à Manchester City comme ailleurs des équipes avec mmh, de l'animation mmh. euh, au Real Madrid l'animation elle est bancale mais elle est ce qu'elle est et ça suffit à des moments d'être champion d'Europe Comme il a dit de... au commentaire elle est un petit peu asymétrique quoi, finalement Elle est elle est ce qu'elle est. Elle est... Ouais. Et donc, du coup, c'est pour ça que quand on parle de Bellingham, à un instant, tu vois le fait qu'à titre individuel, il réussisse à jaillir aussi fort dans un cadre qui est aussi pas ouf non plus. Ouais. Tu vois, euh, c'est quand même euh, une performance forte pour lui. Donc effectivement, moi je pense que la différence, elle, elle s'est faite euh, sur les entrées, sur les entrées au milieu de terrain notamment, et sur certains manques du Barça qui peut regretter quelques actions ou un petit côté tueur ou de trois différences aurait fait du bien, ouais, ouais. Euh, comme par exemple l'action où Joao Félix se fait reprendre car par Carvajal quand oui. il fait le, le petit pont et que derrière il passe. Euh, il y a un tweetos Qui parle beaucoup de jeux Que j'ai suivi Je crois qu'il s'appelle Victor Un truc comme ça Il a souligné sur l'action La différence entre Certains attaquants Qui arrivent sur des courses à tenir la distance ouais. Avec le défenseur Avec le bras ouais, tu vois. Ouais. Et donc il a mis Des exemples de courses De Erling Haaland De Nico Jackson De certains attaquants Qui réussissent il y a même Ou Harry Kane, Kane, Kane sont La, la dernière Quand il l'a oui, 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 oui. ouais, Exactement ouais. Et Joao Félix Qui la lui par contre balle, ouais. Après avoir tu vois pousser, manque un peu de peau et ne met pas ouais. la protection de balle pour mettre la distance avec Carvajal et du coup se fait reprendre. Et alors que franchement ça aurait pu donner un but magnifique. Mmh. Tu vois. Mmh. Donc c'est peut-être un truc sur lequel le joueur Félix doit encore prendre un peu d'expérience. Je pense c'est aussi une question d'expérience ou peut-être que c'est inné. Mais en tout cas mais aussi alors... peut-être le style. Tu vois, il a un style où lui il est vraiment concentré sur son, sur ses gestes. Sur les Maintenant franchement ouais, euh, là le Barça il peut avoir quelques regrets. L'entrée d'Oriol Ne fait pas du bien du tout. Elle euh, limite un petit peu. Enfin limite elle te force à tu vois, à adopter une attitude qui est pas bonne. Mmh. Et après derrière bah, les différences sont en fait t'as un individuel, elle frappe de loin, Est-ce que Ter Stegen peut faire mieux Je sais pas. c'est Difficile hein, de la okay. fermer quand même. Il, il voit pas le départ mieux, du ballon. Il peut peut-être faire fort. un peu mieux, elle mais c'est vrai qu'elle part. Ouais, pas putain. Mais c'est pas Valverde-Thiers non plus la frappe. Tu vois, c'est mm. pas le missile de Valverde ouais, mais par contre, est... qu'il voit pas elle le départ. Elle est quand même soudaine. Elle est, putain, elle est propre. Hein. Mm. Raison, il, est, il est super fort cet alerteur, donc franchement, oh. même pas la question de cracher sur lui. Et puis après, sur le deuxième but, Bellingham qui sent et quand même quand on regarde, Modric la touche et il la touche suffisamment pour ça lobe le défenseur. Et ça passe entre les jambes. Et c'est qui qui envoie la peine c'est ouais, Bellingham derrière par et, et qui le lâche. Ouais. C'est la, ouais. la folie. Donc, franchement, euh, le Real qui gagne, le Barça peut avoir 2-3 regrets quand même. Mmh. Moi, je voulais revenir sur ça aussi, Sipion. C'est vrai, parce que quand on regarde un petit peu la compo euh, du, du Real de, de départ, on sent, on, on, on sent qu'il manque quelqu'un, tu vois, qu'il manque un truc. Et même dans la première période, moi, c'est ce que j'ai personnellement ressorti, il manquait ce point de fixation qui faisait que ça faisait le lien entre les deux côtés, entre même euh, les attaques qui venaient du milieu de terrain. Ouais. Tu sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Mais finalement, ils arrivent quand même à s'en sortir. Est-ce que sur la durée, tu peux espérer? finalement dans ce genre de match, bah à chaque fois, t'en remettre à, 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 tes, à tes éléments comme, comme Bellingham. Est-ce est que ça peut tenir un schéma comme ça Ce qui est intéressant pour le Real, c'est que même en ayant, je trouve, raté leur mercato estival, ouais. ils arrivent quand même à être très très bien en Ligue des Champions en Ligue. Ouais. A. Au niveau du plan comptable, il n'y a, a que cette défaite face à Atlético. Sinon, franchement, c'est vraiment intéressant. Et on sent encore, comme tu l'as dit, une grosse marge de progression sur justement ce, ce secteur offensif-là. Bellingham, c'est super intéressant parce qu'à Dortmund, il était beaucoup plus évidemment au cœur du jeu. Là, il a d'autres responsabilités. On est je préférais voir Bellingham jouer à Dortmund parce qu'ils aient beaucoup plus de trucs au de terrain. Ouais, ouais. On est vraiment un leadership. Là, c'est pas forcément son rôle là. Et c'est vrai qu'il il est, il est solaire en ce moment. Enfin, tout ce qu'il réussit, moi je me bah disais, oui. est-ce qu'il va pas finir par être finalement s'il n'y avait pas des attaquants qui ne uh, statent en Bundesliga face à Darmstadt euh, tous les week-ends Lui, il serait ouais. peut-être soulié d'or, vu ce qu'il est en train d'accomplir en termes de, de, de finition. C'est euh, totalement fou. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi, bah, évidemment, cet apport du banc. Voir un Modric à 38 ans rentrer comme ça et euh, vraiment. Servir l'équipe, identifier les points faits du Barça et euh, pouvoir faire mal adversaire et pareil qu'à en dans l'utilisation. C'est où tu dis que ouais, le côté, euh, côté Barça, euh, c'est là où ça, ça manque encore un petit peu je ne sais pas si c'est de l'expérience ou c'est du, du vice mais moi j'ai bien aimé la réaction de Goodnogan. Mmh. il est arrivé il a dit en gros une interview ouais, j'ai euh, vu, euh... vu des gens déçus mais je voulais qu'ils soient encore plus déçus ouais. je vraiment qu'il a ait la haine de la défaite c'est ouais. pas normal pour moi je pense qu'il peut il a encore cette équipe doit encore progresser dans, dans son vécu Quand et sa manière d'aborder les grands, euh... grands rendez-vous le et... vice en fait partie je suis d'accord avec toi c'est que... ce qui leur manque par rapport au reste. aussi mmh. Quand, quand, quand il dit qu'il n'est pas venu pour perdre ce genre de, de, de match aussi, c'est vrai que oui, lui, lui en tout cas, bah, il, fait, il, a, il a fait ce qu'il peut. Après, euh, comme, euh, comme beaucoup de joueurs hein, du, du Barça, euh, je pense qu'il est aussi un petit peu rentré dans le rang. On a, on a senti Bruce un peu comme, c'est pas une forme un peu de décompression, comme si euh, le Barça n'avait pas assez tué ce match finalement, parce que tu mènes, tu mènes un zéro, mais. Il manque ce deuxième but, il manque ce truc qui fait que ce match, en fait, tu, tu te mets vraiment euh, euh, à l'abri. Bah, c'est ce que Pipion dit très bien, ce côté tueur-vie. Je pense que tu inverses les rôles sur ce match, le Real, ils auraient fait le break. Tu vois, ça, si tu inverses la situation euh, et que pendant quasi une heure, elle est au dessus, je pense que le Real aurait su tuer le match. Mmh. Par ça, c'est ce qui leur manque. Bon, il y a des absents, il y a des trucs et tout, mais c'est aussi ce qui leur manque. Après, ouais. bon, t'as les Lewandowski là, qui est rentré, qui revenait, etc. aussi, tu vois, qui est pas, qui est pas ouais, encore. Court, hein, oui, qui est un peu court, peu court etc. Ouais. Donc, euh, c'est pas simple. Mais voilà, ça a peut-être aussi un peu plongé physiquement. Et encore une fois, quand tu as des tauliers euh, comme Modric, c'est des joueurs, le mec, tu as l'impression qu'il peut jouer jusqu'à 100 ans. Quoi. Alors mmh. bien sûr, tu peux pas l'utiliser autant qu'avant, peut-être ce que tu veux, mais c'est des mecs qui comprennent tellement le foot, euh, ils savent exactement comment faire mal à l'adversaire, ils ont tellement d'expérience, donc ça te fait, ça te fait la dive direct. Mais mmh. c'est dommage parce que vraiment, ce Barça-là, tu vois, quand tu regardais l'an dernier, c'était le royaume du 1-0 de l'animation offensive bancale, ouais. euh, des gens qui commençaient à vaner, chavillonner, tout ça pour le faire Charlie le Ball. parallèle avec Siméon, exactement. <laughs> le fait que c'était très minimaliste dans l'animation offensive et même souvent en pas ouf, tu vois. Et, et, et j'avais l'impression que depuis l'arrivée des deux Joao, ça avait ramené une mmh. certaine impulsion, un peu meilleure, à défaut de peut-être avoir une animation qui collectivement était peut-être pas incroyable avait des différences qui étaient aussi faites à échelle individuelle par un peu de génie, tu vois, le, le, le foot au footballeur. Et en gros, le délire, c'est qu'après avoir eu ça et quelques matchs et débuts vraiment intéressants, bah ils ont eu direct la cascade de blessures euh, de début octobre mmh. qui leur a privé de l'essentiel ah ouais, ouais, de les leur actuer, corps ouais. et, et qui leur a empêché d'avoir une continuité ou euh, après l'arrivée des deux, tu vois, tu aurais pu essayer de mettre en place un, un truc sur le long terme, mais là, direct, cassure, Rafinha, Lewandowski, Pedri, De Jong, ainsi de suite. Koundé, et c'est dommage ouais. pour eux, Koundé et tout, et c'est dommage pour eux. Après, c'est pas oui, c'est vrai que ce n'est pas les seuls, il y a, il y a beaucoup de blessés hein, dans cette de saison, dans plein de clubs. Hein, Peut-être que tout simplement aussi, bon, au-delà de certains trucs, ça ne résoudrait pas tout, mais il leur manque le joueur plus, 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 je parle devant, qui va te mettre les buts à coup sûr, comme le Real quand ils avaient Benzema, ou haut, la Bellingham en ce moment, le mec qui, au moment donné, quand ça se complique, le Joueur plus 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 qui te fait gagner oui, oui, oui. l'équipe, tu vois. Ah, non, mais on est d'accord, comme, comme le Real à Bellingham en quoi. ce moment. Le Barça n'a pas ce mec devant, tu vois. C'est mm. ça pour moi aussi qui peut leur faire défaut. Alors il y a peut-être d'autres failles, etc., un peu, mais pour eux, c'est principalement ça aussi. C'est vrai que c'est vrai que je vois Félix avec ce qu'il faisait, justement, depuis son arrivée. On aurait pu se dire que ça pouvait être un peu le factor X de, de ce Barça là, avec les buts qu'il mettait, ouais, avec la pas forme qu qu'il avait. À mettre je vois, je vois bien, je vois bien, mais je veux dire, dans certains matchs, c'est peut-être un mec qui pouvait justement, voilà, un petit peu casser le rythme, quoi. Mais c'est vrai que oui euh, sur ce match là il a il est, est censé être euh, Robert ouais, mais les gars je suis d'accord avec vous mais Robert au Barça euh, c'est pas c'est pas la même que au Bayern et, ouais. et ça pour moi c'est pas une surprise non plus il a l'an dernier quand même hein. ouais mmh. mais... Je trouve meilleur buteur, c'est pas dégueu. Je trouve que des fois dans le jeu etc, tu vois, c'est parfois tranquille. Je dis pas que c'est un mauvais joueur Barça, mais c'est pas le Lewandowski que tu voyais au Bayern parce que les conditions sont différentes, le jeu, le style est différent. Buteur aussi, donc forcément. encore chaud, d'une un peu vieillissant et surtout au delà de ça, c'est vrai qu'il a pas non plus l'animation qu'il avait au Bayern. Au Bayern, avec les flèches sur les côtés, les machins, les trucs, il était pourvu plus plus. Exactement. Là, c'était peut-être un peu moins le cas par moment l'an dernier avec très peu de choses à se mettre sous la dent. Moi, tu vois, il y a certains matchs que j'ai regardais du Barça l'an dernier où des je voyais que ça tombait sur les Vendosky, des matchs où il était servi. Genre tu, tu regardais le nombre de ballons exploitables qu'il avait, ouais. deux et demi. Ouais. Ouais. Et, et, ouais. Oh, on l'a pas vu. Oh, ouais. On l'a pas vu. Mais hum. franchement, il a pas quand, été très bien servi. Puis plus. quand il <laughs> veut décrocher de ouf, tu vois que c'est pas non plus ce qu'il faut non, faire. C'est pas son ce job. qui lui convient, tu vois. C'est pas un keino quoi. Du coup, bah comme tu dis, dans les matchs un peu plus compliqués il va se retrouver Keblo parce que bah il a pas d'autre alternative en fait. Alors euh, messieurs, comme d'habitude, les, les, les petits tops et, et petits flops. Euh, qui t'as envie de mettre en avant, Pipion, toi, euh, dans tes dans tes tops et, euh, et des flops aussi si si t'en as dans ce match. Tu fais là. Il y a de quoi faire, hein, honnêtement, je pense. Ouais, bah évidemment, celui qui va sauter aux yeux, euh, parce que même en n'ayant <laughs> pas un apport euh, sur les 80 minutes, c'est Bellingham. Oui, parce bon, qu'il est, est là au très très bon moment. Ouais. Et euh, il réussit euh, bah, ce qu'on lui demande en ce moment à Madrid d'être ce facteur décisif, d'avoir même su, euh, peut-être presque supplanter Vinicius. Alors, oui, évidemment, il y a eu sa blessure, mais aujourd'hui, l'homme décisif du Real, tu sais sur qui tu vas pouvoir compter, c'est Bellingham. Et euh, pour Ancelotti c'est euh, quelque chose d'assez euh, consistant, conséquent. Côté Barcelone, j'ai beaucoup aimé euh, le match de Gavi. Je Moi trouve, aussi, euh, j'ai adoré En Gavi, fait, ce disait Zach sur l'apport de Joao Félix et Jo Cancelo, je pense que ça sert à ce type de joueur parce que Gavi beaucoup l'ont présenté comme voilà, un joueur qui était peut-être un peu trop, on va dire physique trop dans l'intensité plus technique. <laughs> évidemment quand tu le voyais avec son casque de rugby voilà à la rinordoki bah oui, ouais. il, rend, <laughs> il, rend, il rend une drôle d'image sur le un terrain. Sacré petit mais quand même, franchement hein. techniquement, je pense que l'arrivée de ces joueurs ça va aussi l'aider lui à se développer, à grandir. Enfin je rappelle ouais. qu'il a que 19 ans. Alors évidemment, on le voit depuis 2021 à la Ligue des Nations quand Luis Enrique l'a appelé très très tôt, mais ça reste encore un jeune joueur et moi ce que je vois c'est que c'est un joueur qui progresse et qui euh, vraiment euh, va devenir très excellent. Non mais en plus, ouais, il s'est vraiment euh, bien arraché. Et puis là, il, il a bien fait le job hein, sur, la, sur la première période, en tout cas dans son, dans son marquage et tout. Et non, non, il a, il a fait un, un sacré match. T'as qui, toi, euh, Zach Bah franchement, mec, euh, moi, j'ai pas énormément de tops qui me reviennent en tête c'était ouais. réel tu ouais. vois, parce que j'ai trouvé la défense à des moments, surtout à la bas. Et on l'a vu sur le but, pas hyper rassurante. Euh, au milieu pareil il y a certaines entrées qui ont fait du bien donc on peut mettre en avant Kamavinga ou Modric mais c'est des entrées tu vois et pareil j'ai trouvé Vinicius et Rodrigo en difficulté mais dans les conditions qu'on a connues, tu vois Vinicius, Vinicius a eu un moment, moment trouve... par Ojo, souvent euh... voilà il a eu un moment ouais. difficile tu vois je trouve que alors oh, l'a bien géré donc euh, tu vois côté Barça si je dois dire quelqu'un de différent et c'est quelqu'un que j'avais surtout laissé depuis son but dans le classico de cet été et que j'avais vite fait revu depuis mais voilà ce... Dans un contexte un peu plus ouais. sérieux, Bah Fermin Lopez j'ai trouvé mmh. que c'est bien. Il a fait est... un très bon match. J'ai voilà, ouais. trouvé que s'en est bien sorti. Et, et surtout, gros, ça a eu du mal. Gros, a eu, hein, grosse hein, vraiment. personnalité ball ouais. au pied qualité technique, le le le, le euh, comment s'appelle le, 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 le sang froid, voilà, ouais. c'est ce que ouais. je cherchais comme expression. <laughs> Et, euh, et voilà, donc bon match de sa part, c'est pas mal. Très bien joué à lui. Très bien, très bien. Bruce, alors toi pour, pour terminer sur ça, sur les bah, trois... Ils, ils ont tous cité, je suis ouais. d'accord avec ça. Après, pour le contenu et tout, ça serait, moi je pencherais un peu plus pour Gavi, mais c'est vrai que Bellingham, avec les deux buts qu'il met, même si avant ça, tu vois, il ne fait pas un très bon match, mais voilà. Il a allumé la lumière. En fait, c'est paradoxal. Ah oui, c'est ça. Mais ouais. sinon, sur le contenu, Gavi, j'ai quand même bien aimé, ouais. mmh, Gavi, ok, on est, on est tous d'accord hein, sur, euh, sur les, les top et flops de, de ce match-là. Messieurs, euh, on est dans les immanquables du coup. Quand il y a des, quand il y a plusieurs euh, gros matchs comme ça dans le week-end, on essaye de, d'en parler euh, en même temps. Donc forcément, on va parler du derby de Manchester maintenant. Ah. Euh, Manchester City qui a complètement éteint la lumière à Old Trafford. C'était très gênant. Le tête Vous savez quoi, honnêtement, donc à des moments moment donnés. mi-temps Était fatigué pour United. Y a il y a était, des euh... moments, Bruce, je te jure, je me suis cru à l'Etihad carrément. J'avais l'impression qu'on n'était même plus à Old Trafford tellement il y avait bah, cette domination de, de, de City et tellement il y avait bah, en fait cette différence. Quoi. Et, 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 et tu, tu, tu voyais un United qui n'arrivait pas du tout, en vérité, à, à opposer quoi que ce soit. Et c'était très, très, très compliqué. Je ne sais pas ce que vous, vous en avez pensé, vous allez, vous allez me le dire, mais euh, Zach, il y avait vraiment une trop grosse différence dans ce match tout... pour espérer même quoi que ce soit. C'était gênant. C'était gênant. C'était gênant. En fait. ouais. on, va, on, va, on va parler français, c'était gênant. Et rien contre mes frérots d'United euh, mais euh, ça me rappelle, il euh, y avait eu un match à peu près similaire euh, où il y a eu un 6-1, un truc comme ça il mm n'y -hmm. a pas si longtemps. Oui, Franchement, c'était dans la même vanne, euh, même veine. Au okay, il y a eu moins de buts. Dans la lutte. même vanne, côté de la deux Vanne, veine, choisissez votre mot, les ouais. deux me vont. Mais euh, sérieusement, c'était gênant dans la mesure où euh, on avait vraiment l'impression de voir. Et, et non, je ne parle pas du 6-3, parce que le 6-3, vous parlez du début de saison dernière, je parle d'il y a un an et demi ou deux ans. Il ouais. y avait eu un 6-1. C'était pas comme Liverpool, c'était City Non, 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 non. C'était Step 2. non. 5 euros, une tôle. Mais un United City. On, euh, on au... parle de Manchester United, voilà. comment dire, un United City avec un très gros score qui m'avait marqué ou dans le jeu, c'était vraiment marquant. Alors, déjà, premier truc, tu vois, euh, qui est quand même important à noter, oui. c'est côté Manchester United, une cascade d'absents. Oui. Donc, bah, euh, quand je parle une cascade d'absents, quand tu es obligé de montrer. Alors, certes, il a fait un bon match. Euh, enfin, il est bon ces derniers temps, donc c'est pas sur lui, on va tirer la pierre. Mais quand tu es obligé d'arriver avec Maguire, Johnny Evans. Et Lindelof arrière-gauche. À gauche, c'est dur. C'est terrible. C'est très, très, très compliqué. compliqué. Tu sens, compliqué. sens bien que les absents, Lissandro Martinez, Raphaël Varane, euh, les latéraux gauche, etc. Donc, euh, Malassia à chaud, etc. C'est terrible parce que déjà que tu as raté ton mercato, je trouve d'été, tu as en Casimiro plus un effectif aussi, qui, mais... est, euh, qui est décharné, tu vois, et ça, et ça c'est mmh. chiant pour eux. Ouais. Et, euh, mais sorti de ça, voilà. Euh, J'ai l'impression que c'était une équipe d'adultes contre une équipe d'enfants. <laughs> c'est-à-dire que. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que tu un Manchester City qui pouvait faire tourner le ballon, oui. qui pouvait se créer des occasions, qui n'a été que très peu mis en danger. Quand City a été mis en danger, c'était avec des exploits ou alors des relances extrêmement difficiles. J'ai parlé de la relance de Manchester United qui était compliquée parce qu'on voyait souvent deux défenseurs et devant des milieux un peu embroubés entre les lignes et des mecs devant pour peut-être essayer d'envoyer des appels. Et c'est une animation, comme l'a justement montré, enfin comme l'a justement expliqué Victor Lefancheux, qui est, un, je crois, un analyse vidéo. Il m'a dit que c'est une animation qu'on voyait des fois à l'Inter ou même à l'Ajax de 2019. Ouais. Sauf que je trouve que avec la base de relance dont on parle, donc Maguire, Johnny Evans, Lindelof à gauche, c'est peut-être plus difficile à assumer. Et face à City, City dont on vante les qualités, mais une des qualités qu'ils ont, qu ont gagné et qu'ils ont pris et, et qu'ils ont pris depuis surtout qu'ils ont trouvé cette animation, c'est leur capacité à bien défendre. Mmh. City défend hyper mmh. bien et en très coups... peu d'occasions. Même sur les coups de pied arrêtés et tout, moi ça m'impressionne. Leur manière de défendre ces ah, derniers non. temps. Non. Vraiment, Manchester, port, Manchester City défend hein. super mais bien, bien. c'est hyper compliqué. Ils devaient s'astreindre à un exploit à chaque fois pour réussir à inscrire des occasions. Mais le pire, c'est qu'il y a eu des opportunités, il y a eu des tu situations. La frappe sur Ederson. Ouais. Tu regardes. Stouff, frappe, le retour à un moment qui fait. La oui, frappe oui. de Rashford avec le retour de Walker, ça finit juste à côté. Ouais. Tu regardes les deux actions. C'est un renversement pied gauche hyper compliqué de Rashford après avoir reçu le ballon sur le côté. Ouais. Et euh, un, un long ballon d'Eriksen et un appel derrière. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Manchester United doit se tordre en 8 pour se créer la moindre situation. Ouais. Et City en concède que très peu et cadre bien tout. Et euh, de l'autre côté, par contre, c'est un volume d'occasion beaucoup plus élevé. Ouais. Le deuxième but, 2 minutes 52 de possession, but d'école. Magnifique. Le but est très beau. Surnombre d'un côté, on renverse, hop, fixation, une ou deux débordement, touches. centre. Second poteau. Ouais. Oui, mais un, en fait, Je un cas d'école, les, les basiques du football... Tout ouais, en une touche à part, derrière les remises. Simple et efficace, qui n'y a de plus dur à exemple, les basiques du football, fait avec peu de déchets techniques, oh, ouais. personnalité et confiance. Ouais. C'est une équipe de folie et vraiment euh, l'histoire va se rappeler des Manchester depuis de Manchester... un mois ouais, ouais. <laughs> Mais mais l'histoire va se rappeler des Manchester City de Guardiola et je dis bien des Manchester City parce que c'est une équipe qui a eu tellement d'animations et d'itérations différentes tout en étant toujours au top niveau depuis 6 7 ans maintenant que c'est dingue. Ouais. Il y avait le Manchester City avec les ailiers en bon pied Sané à gauche, Sterling à droite, Agüero, tu avais le Manchester City en faux neuf avec Foden en faux neuf et des ailiers percutants genre Mares, t'as le Manchester City de l'an dernier avec la Bas à 3 et Stones au milieu et de Enfin, c'est ouf la capacité de cette équipe de s'être autant réinventée ouais, d'être ouais. toujours performante. Et, Il et, et y, y, y a toujours en, en fait quelque chose d'intéressant à regarder selon les époques et selon les, les, les styles en tout cas que Guardiola a pu proposer ces dernières années. C'est vrai que c'est toujours euh, ouais électrisant quoi quand tu les vois jouer. Euh, City, t'as l'impression que t'apprends des choses même carrément quand tu quand tu vois ce qu'il fait avec un Stones quand tu quand tu vois même Zach parle de leur manière de défendre mais ils ont tellement une, une une domination, une maîtrise du ballon que parfois même t'as l'impression qu'il y a des espaces de fou derrière mais en fait jamais il concède jamais il concède parce, parce que, parce que qu le ballon est tellement à... bien gardé. Chacun sait ce qu'il a à faire, il Cha comble la Chacun sait ce qu'il a à fois fois faire dans les espaces fou il comble T'as mmh. l'impression qu'il pourrait ouais. se prendre des, 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 des transitions de fou non. mais en fait ça n'arrive jamais il... parce que le ballon est contrôlé, il maîtrisé. Coeur, on en parle à chaque fois, à un moment je sais plus sur qui il fait un retour mais il revient. Mais... C'est sur Mais revient mais comme pour rire. Le mec il a 4 mètres derrière, il lui passe devant mais. Et tu vois ce qu'il fait aussi sur euh, l'occasion de Rashford où euh, Rashford il, il temporise un peu avant de frapper, mais il, il joue super bien le coup Walker en vrai, ouais. parce que là, n'importe quel défenseur aurait pu se faire emmener, mmh. aurait pu mmh. se faire embarquer, euh, limite Rashford contrôle, temporise et derrière il finit, mais en fait il met le doute dans la tête de Rashford qui du coup... Elle peut pas la jouer en première intention et derrière, bah, fait une frappe qui est un peu, euh, un peu mal, mal, mal gérée quoi, mal, mal, mal équilibrée. Donc franchement, ça défend super bien. pipion je te lance, je te laisse un peu la parole aussi. Euh, ce ce, ce match-là, est-ce qu'il y, y aurait pu avoir un, un, un quelconque espoir si Manchester United avait quand même pu réussir à trouver la faille Est-ce que, euh, toi, avec cette frappe -là, de, de McTominay, avec ces bah, opportunités de Rashford, est-ce que le match aurait pu être différent selon toi Honnêtement, non. Je pense qu'il y a tellement d'écart entre les deux équipes que même si voilà, United avec ses fameux exploits possibles de Bruno, de Rashford, voire d'un Hoyloon, c'était réduit à néant parce que City fait un match euh, vraiment très sensé dans le jeu très appliqué c'est là que tu vois que quand t'as Rodri enfin quand as l'équipe type là ils peuvent vraiment installer tout, lui, hein. ils peuvent installer vraiment une dictature même en Europe ils peuvent aller chercher plein de ligues des champions cette équipe le tend très très bien même en ayant bah, le blessé dont on parle Kevin de Bruyne l'absence c'est pas ressentir c'est dire alors qu'on sait le poids de KDB dans cette équipe et euh, je trouvais que justement sur ce match là ils avaient encore enfin c'était pas pour moi le match parfait c'est à dire qu'ils auraient pu encore tu vois un peu plus insister, c'est que à bah, mon petit moment, ils dérouillent, ils sont tranquilles. On va pas non plus perdre trop de force dans, dans la bataille. Et c'est dire que Onana, pour moi, fait un excellent match. Oui, c'est vrai. Même vrai, sans. Vrai, vrai. Ah, Onana, ça voilà, aurait pu faire 6-7-0. Mais oui. même si City avait accéléré, peut-être ça aurait pu vraiment tourner à un nouveau fiasco légendaire à Manchester United. Alors, oui, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de blessés. Mais euh, quand tu vois à quel point cette équipe, elle prend du retard en Ligue des Champions, en Première Ligue, tout ça, euh, on parle souvent tu vois, de la rétrogradation du déclassement du United faut Se poser la question parce que là, bah, justement, la vente elle tarde encore. Finalement, ça devrait peut-être pas être le sera Qatar. 20% ou 25%. Ouais, ça va euh... peut-être Radcliffe avec Ineos. Mais tu vois, tu sens que euh, ça va un petit peu dans le mur quoi. Ouais. On voit pas de visibilité, on voit pas quelque chose d'assez euh, constructif. Après, c'est quand tu vois l'hommage à, à Bobby Charlton, tu dis ok, c'est quand même un club avec une immense âme, une immense histoire. Il y a quelque chose à faire, mais j'ai l'impression que euh, les joueurs, le coach, euh, les dirigeants prennent pas conscience d'à quel point bah, ce club se fait torpiller quoi. Et de toute façon, tu as, as un échec à Manchester United sur la direction sportive. Tu peux pas avoir une équipe qui affiche un taux de réussite sur ses transferts aussi bas oui. depuis mmh. 5-6 ans. Mmh. Allez regarder les transferts regardez les arrivées de Manchester United depuis 6, 7, 8 euh, je je sais sais ouais, ans et, pre et prenez le pourcentage de réussite sportive sur les mecs qui sont arrivés depuis 6-7 8 tu y arrive, en fait. Il y dire... peut-être c'est un des rares. Non, mais t'en as quelques-uns tu y peux y noter ici là. Tu vois, même Wayne ta... Bissaka en soi, tu vois, c'est bien. Varane, c'est bien. Lisandro Martinez, ça peut aller et tout. Bissaka, c'est par moment C'est devenu mieux. Oui, oui. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des échecs après cuisant. Bien sûr, Anthony, bien euh, Sancho, Sancho. Sancho euh, plein de mecs comme ça qui n'ont pas pris du tout pour l'instant. Des mecs qui sont non. mal intégrés et tout. Et, et en fait, oh. c'est compliqué parce que du coup, en fait, c'est soit que tu vises très mal dans ta direction sportive, dans ta politique, donc tu vises mal les profils, tu scoutes mal, tu machins, et ce qui est quand même honteux avec l'argent et les moyens que tu as à disposition, ou alors. En plus de ça, tu as aussi à domicile un cadre qui ne permet pas aux gens de performer mm. et tu prends des bons joueurs qui, une fois arrivés chez toi, se coupent les jambes. Ça me rappelle un autre club. <rire> <rire> Dont on va parler tout à l'heure. Non, non, ouais, ouais, non, mais je vais te lancer, Bruce. Hein, c'est vrai que en fait, ce que, que Zachy dit, moi, c'est ce que j'essaye aussi de dire depuis, des, depuis plusieurs saisons maintenant. C'est qu'en fait, euh, tu peux rien installer dans ce club-là. C'est tellement, c'est tellement le bordel. Et à chaque fois que tu fais des choix, à chaque fois que tu fais des recrutements, quelqu'un m'a parlé sur le chat. Mais par exemple, un joueur comme Van de Beek, tu, le mec est là depuis des années. Il est toujours là sur le banc. Lui, tu le vois toujours en fin de match. Il arrive, il arrive sur la pelouse. Comme tu, tu te dis, ah ouais, lui, il est encore là. Enfin, tu vois, c'est un peu le symbole de ces joueurs qui sont recrutés, mais Les qui n'ont presque rentiers, pas d'avenir en fait. Mmh. Tu mmh. vois, dans ce club-là, il n'y a, a pas d'avenir. Il y, y, y a rien qui se dessine, et il y a rien qui te fait te dire qu'à un moment donné, il va enfin se passer quelque chose. Tu vois. Euh, Là, McGuire revient, ça va, en ce moment, il est, il est plutôt en forme. Mais, 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 mais c'est McGuire que tu es obligé d'installer, un mec qui était en, presque en déprime il y a quelques mois, tu vois. Donc c'est terrible. Ce, ce, ce club-là, pour pour qu'il pour qu avance, je ne sais pas où est la solution. Peut-être peut une vente. Hein. Peut-être que la vente va faire du bien. Peut-être qu'on va enfin changer de politique sportive dans ce club-là. Et peut-être qu'on va enfin mettre des vrais mecs qui, qui connaissent un petit peu, qui sentent le foot et qui, qui sauront remettre euh, bah, ce club d'aplomb. Mais jusque-là moi je, je vois pas de, je vois pas de de de, de, de c'est dommage je vois même, pas d'issue en fait même des tu joueurs vois frais un peu je comme ça tu sais, qui auraient pu aider genre même amrabat ses débuts sont complètement ouais, mauvais mais il vient d'arriver il commence vois, on va pas lui jeter la pierre il commence, tu il tu commence latéral gauche au début <laughs> sur oui, le oui. contre où il est fautif sur deux buts ouais. euh, là hier il sort à la mi temps euh, il est bas c est parce que c'est dur tu veux le perdre rapidement c'est dur de t'installer dans une équipe où il n'y a rien qui va c'est pour ça que tous ce qui arrive c'est qu'il n'y a rien qui va laisse même pas te comparer par rapport à city on sait qu'il y a 10 classes d'écart tu vois poste par poste et même effectivement je veux dire c'est une surprise pour personne que se fasse torpiller United il y a ça n'a rien à voir comme l'a dit Pipion City c'est la meilleure équipe au monde de très, 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 très loin. Pour moi, c'est finale minimum cette année. C'est impossible, sauf catastrophe qui passe. Bon, fasse. après, à chaque fois, toi, tu t'emballes toujours Ce sur City, là, toi. Ce City-là. Ils sont trop forts. Mais Bruce, c'est du foot, Bruce. Impossible de les sortir sur de... un aller-retour, aller sauf si vraiment il y a un rouge dès le début. Tu sais qu'il y a une dinguerie sur un des deux matchs. Impo... En finale, sur un match, allez, pourquoi Ils sont trop au-dessus par rapport aux autres équipes. Les top équipes, ils ont des manques un peu partout. Ils sont loin d'être à leur top niveau. City, eux, ils sont encore à leur top. Quoi qu'on dise, il y a eu des changements, mais ils sont trop forts, trop rodés. Fr franchement, tu vois. Que rapport bon. ce que tu dis S'ils font back-to-back Tu pourrais dire que toi Tu le disais depuis le début Oui bien sûr On a les retours Pour les sortir Mais il faudrait faire Deux matchs quasi parfaits Qui est capable moi, de faire moi ça Moi je suis d'accord avec toi Bruce Il peut se passer trop de choses Toi même tu sais La Ligue des, des Champions de C'est toujours très spécial Moi je suis d'accord Avec ce que ils tu dis Il y a de la marge Mais le problème C'est que tu as quand même Tu vois un, un, un Bayern Par exemple cette année C'est pas, pas le grand Bayern Mais quand tu vois Comment il ils sont en train de Ils progressent au milieu ils jouent City Ils sont torpillés Ils arrivent avec et J'aime beaucoup comme... le Bayern. Je pense euh... que le Bayern actuel se fait taper. Ah, hein. Conrad com Leimer, attention, ne sous-estimez pas, les gars. C'est euh, un, un prérot, excellent prérot, Il va arriver un face à Rodri et, <laughs> et tout. Je te jure que Conrad <laughs> Leimer. Tu... Va... Non, mais le Bayern, ils, un... non, mais... ils ont un potentiel. Mais le Bayern actuel, C'est pas encore euh, C'est pas encore ça pour essayer de concurrencer peut-être ce City-là. Franchement, c'est trop. Il n'y a pas de faille. Tu vois le banc. Tu vois Enfin C'est n'importe quoi. Mais le pire, c'est que tu vois là où Bruce, on peut se dire ce qu'il dit, c'est qu'il y a du sens. C'est vrai que quand tu prends les autres top équipes, c'est vrai que. Il y a des failles. Il hein. y a des failles vraiment partout. Sans mmh. dire que City n'en a pas, il en a beaucoup moins. Il en a moins, que... oh, il, ouais. il est quand même bien plus complet. Tu regardes le bah Real City. Il y a eu déjà la double confrontation l'an dernier. C'était gênant. Ah, On peut pas fait. dire que le Real se soit sub. Complètement amélioré, même s'il y a eu l'arrivée de Bellingham, etc. Il y a eu le départ de Benzé en contrepartie. Donc, in fine, est-ce que le Real est une meilleure équipe que l'an dernier Je ne sais pas, mais j'en suis pas sûr. Euh, tu, tu regardes le Barça, c'est encore beaucoup de rodage. Ouais, Je ne pense pas que le Barça soit en mesure de les déranger à l'heure actuelle. Après, attention, une saison est longue, hein, il peut encore se passer des choses. Euh, et quand tu regardes, pareil, les autres équipes en Angleterre, le Bayern, même les équipes italiennes, hein, euh, Napoli, euh, Milan, Inter Une des rares équipes qui auraient pu les gêner en LDC pour moi, ils n'y sont pas, c'est Liverpool malgré quelques petits soucis défensifs tu vois c'est une équipe où pour moi parce qu'ils savent se projeter ils le faire très bien très fort tu vois il y a peu d'équipes capables de faire ça après ils, après, ils sont à moins forts city mmh. à voir parce que vraiment les saisons sont longues et il peut se passer des choses franchement il y a un empile City en octobre-novembre, c'était pas encore la machine que c'est comme ça. Et ça l'a vraiment enclenché à partir de février, sans dire qu'avant février, ils n'étaient pas à 16e. Sûr, mais là, ils vois. sont à 75%, c'est ça qui est effrayant, mais, moi, mais, je mais trouve. Mais tu ne pas, à leur top, Ce que, que peut-être qu'au fur et à mesure de la saison, une équipe se découvrira, trouvera une animation ou un moi, moyen. C'est ça que je veux dire, euh, peut les, les gars. Peut se des les gars, imaginez les 11 de City et même 20, les 17-18 joueurs. Regardez chaque poste. Mais non, les mais, gars, on peut m'amener qui on veut, qui tu veux, quoi, comment me l'expliquer. Hey, quoi qu'il arrive, il y a un monde d'écart entre eux oui, et le reste. Moi, moi je suis je... bien au-dessus. Alors, ça, ça, sur ça, sur le, sur le fort, 11, ouais. si on fait 11 par 11, poste par poste, si on compare, ça, je suis d'accord avec toi, à 100%, à 1000%. Mais même si ils sont au autre, là, toujours au-dessus. Moi, ce qui va plus m'impressionner chez City, c'est la manière de cette équipe de gérer ses matchs. C'est là où, en fait, je trouve qu'il n'y a aucune autre équipe qui arrive à être aussi constante dans un match que, que, que ce qu'eux, ils arrivent à faire. Et c'est sur ça, ça qu'en fait, cette équipe m'effraie. Après, il peut se passer des choses. Il peut y avoir une une équipe qui se révèle, il peut y avoir une équipe qui leur pose des problèmes parce qu'elle défend super bien. Sur City, c'est impossible. Tu peux, tu, franchement, non. on, on l'a vu plein de fois, Bruce. On a vu des équipes surdominées pourtant perdre alors tu, que tous les données peux, Moi, je suis pas braque. aussi mais catégorique. Braque, je, peux je, pas. je suis d'accord avec toi. Et l'exemple type, c'est City qui perd contre le Real, quand le Real gagne la LDC. City est meilleur que L'Oréal. City c'est la meilleure équipe au monde ouais. depuis déjà quelques années, mais leur manquait. Oui! Ce petit truc, la Ligue des oui Champions, l'expérience, les mecs qui ont gagné, la plus grosse compétition toi, ils l'ont il débloqué, ça. Ouais. T'as l'impression qu'il n'y a plus que des tauliers dans Bien cette sûr. équipe exact. maintenant. C'est ça, c'est rend pour Quelqu'un l'a dit dans le chat à juste titre, et quand tu regardes un des défauts qu'ils avaient, City, par rapport à l'époque où ils choquaient souvent en LDC, l'époque où ils sortent contre Tottenham, l'époque où ils sortent contre. Oui, là, ils sont plus équilibrés derrière. <laughs> et tout, ouais. Ils ont vraiment trouvé. <laughs> non, mais c'est vrai, ils ont oui. vraiment trouvé une animation euh, défensive et une efficacité de surface forte. Quand tu regardes les interviews de Guardiola après la sortie contre l'OL, il dit l'efficacité dans les deux surfaces, c'est-à-dire mmh. sur les deux temps forts de LDC, c'est-à-dire marquer tes occasions et réussir à éviter de te prendre ces buts ouais. de con. J'étais ouais, ouais. pas tueur dans les deux surfaces. Depuis depuis 2020, donc depuis la sortie contre l'OL ils sont sortis une seule fois dans une double confrontation. Ah, oui. C'était contre le Real. Ah, bah, tu avec vois. un scénario. Lunaire. <laughs> Lunaire où ouais. ah, ils voilà. se prennent deux buts coup sur coup. Et où au match aller, ils ratent un volume d'occases Même s'ils mettent mm. une, une tarte, ouais. ils ratent un volume d'occases où ah, on oui. revient à cette efficacité sur les deux surfaces. Parce que la porte avec sa main, etc. Bon, ouais. voilà. Mm. Euh, et c'était aussi une, une année où Ederson n'était pas le plus fringant. Sachant que l'an dernier, il a fait une très belle saison. Et maintenant, ils ont Hollande euh. et Alvarez. Alors que là, maintenant. <laughs> c devant. Ils ont rajouté ça. Maintenant, ils ont l'air d'avoir réglé quand même dans les grandes lignes beaucoup de ces soucis-là qu'il va falloir aller les prendre et c'est vrai, et c'est là où j'allais un peu dans le sens de Bruce. Et après, on verra. Ouais, je suis moi, je vais peut-être être un poil moins catégorique sur le fait que c'est impossible. Oui, oui, oui. Non, mais oui, à l'heure actuelle, si tu analyses les éléments, ça, oui. je vois pas une équipe non plus qui les prend concrètement là tout de suite en aller-retour. Mais la vérité de octobre enfin octobre début novembre n'est pas la même que... n'est pas la celle de mars. Par okay. raison, la Pipi... elle sera encore plus prononcée Pipi... dans <laughs> deux trois mois Arrête toi crois, Ils sont à 80% 70% si tu bah, la vérité, tu verras février mars, ça va être un autre monde. a ton avis sur la question toi, es... Non, tu es non ou toi Non mais là c'est sûr que en match aller-retour c'est extrêmement difficile de les sortir. Il faut vraiment être à un niveau à bloc ou, comme le dit Bruce, avoir une dinguerie. Les matchs qu'ils ont perdu cette saison, c'est Arsenal, où avec Arteta, ils ont fait un, un jeu de regard euh, qui attaque en premier taux. Finalement, c'était un match très bizarre. Uh, Wolverhampton où tu avais un excellent Pedro Neto, ils sont tombés dans un petit traquenard et Paris ils ont eu un volume d'occasion qui était ouf. Uh, moi, là où je trouve que City a encore progressé, c'était la des recrues. Avant, on savait que sous ouais. Guardiola, il y avait un petit sas de, de, de compression il ouais. fallait voilà, passer quelques temps sur le banc avant de rentrer bah, au Silva Mares. Maintenant, tu vois uh, Doku, tu vois Nunes, tu vois Guardiol. Guardiol. Ils peuvent Intégrer le 11, ils auraient pu jouer hier, tu n'aurais pas senti, je pense, de grande différence. Ils auraient attaqué Paris, ils auraient eu un apport qui est conséquent. Et c'est là où tu dis, en fait, la machine collective est tellement bien huilée, tu ouais. peux remplacer un élément. Évidemment, il y a deux, trois éléments qui sont quand même, euh, je trouve indispensable plus plus euh, Rodri Ruben Diaz notamment toutes les défaites c'était sans Rodri le chat non mais voilà Rodri ouais, tu ouais. vois que par rapport à sa dimension prise en 2023 c'est un joueur qui va leur manquer quand il est pas à l'aise justement sur on les vu, échecs on même le match contre Arsenal je pense que s'il est là tu vois il le perd pas par exemple ouais. j'en suis, je suis euh, intimement Moi, convaincu c'était quoi c'était pas la frappe de Martinelli contrée ou une frappe, frappe de Contré, Martinelli -Contré ouais, un peu de mais je pense que ce match a servir aussi ils doivent quand même euh, ils auraient dû proposer mieux tu vois comme tes City mmh. tes champions de PL et tout mais en tout cas ouais c'est sûr que sur ce début de saison même s'ils sont pas leader de première légation tout, tu sens que pour le printemps, ah oui, une quand ça va arriver encore plus à 100%, pff, la folie. Si ils activent, c'est fini. Ok, très bien messieurs. Euh, Peut-être euh, euh, l'homme de, de, de ce match-là pour vous, c'est qui bon, Londres, il est sur tous les buts. Grealish fait un gros les match. Grealish bien hein. son match. Il fait un gros match. Mmh. Adoré. Euh, Foden aussi. Ouais, Foden. Ah, Foden, ouais, Foden ouais. taré Foden. Même Silva, en fait, c'est difficile. Même Rodri. Hein. Non, mais ils ouais, ont ça qui vous demande. Je ouais. que la question est difficile. Stones, il fait un super ouais, match. Pas, pas, pour le côté kiff, je te dirais Foden. Mais en fait, tous les noms passent. Ouais, même Bernardo, tout le monde. Bruce, toi, tu dis qui non, mais Allain, il est sur tous les buts. Donc ouais. euh, voilà, bon, c'est Allain. après dans le jeu, de façon, c'est la régalade C'est l'équipe la plus plaisante à avoir joué de loin ces derniers temps. Et du coup franchement il n'y a pas un mec qui fait un mauvais match à chaque fois t'as l'impression que tous au minimum c'est du 6 sur 10 quasiment tout le temps donc euh, non, non mais je, savais, je savais que c'était une bonne question Pipion. tu mettrais qui bah, avec Guardiola. parce Bardiol, que ah, ça, 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 ça met pas son adaptation à ouais. moi je mets Rodri parce que franchement euh, pff, le mec il est trop fort euh, messieurs on avance on passe au Ballon d'Or maintenant on va, on va complètement changer d'ambiance il du sourire tu <laughs> vois que t'as du mal à le dire pardon t as du mal à le dire c'est hein, vrai que le mot pas, il passe je sais pas pourquoi pas... ah, pas ballon d'or. bref, juste, <laughs> juste, juste, je sais pas à quel moment. J'ai la gorge un peu sèche, C'est juste, juste une ça. question sérieuse, je sais que t'es pas le plus grand fan de Messi, mais à quel moment, je veux dire, j'ai l'impression que tu l'aimes vraiment plus. J'ai toujours dit, Bruce, j'ai du mal avec sa personnalité, c'est tout, Et ça mais ça n'a jamais changé. Non, mais c'est juste, vraiment, je pose une vraie question. <laughs> mais tu sais, mais qu'est-ce qu qui t'a fait, juste a... L'élément déclencheur. Mais il m'a rien fait, je le connais pas, moi. Messie. Non, mais c'est mais, -ce juste. Briller, juste. Bah, ce qui m'a fait vriller, c'est sa personnalité. Il y a, y a plein de trucs dans son cerveau. Mais ça, quoi, dans ça, quoi Ça fait longtemps que je fais en jeu, a plein de trucs qui me gênent. Oui, je sais, mais quoi Genre, concrètement, il y a quoi comme ça, exemple, par exemple En vrai, moi, je te pose la question parce que regarde, quand tu regardes. C'est le personnage. Mais quoi C'est qu'il parle oui. pas. En fait, non, il parle pas beaucoup. C'est pas le plus expressif. Il a parlé pas en la Coupe a, du Monde. Il a pu que, avoir des coups de vis bobo. à la Coupe du Monde. On les a. Bobo. Si on va être honnête. On, on, on lui a vu des petits coups de vis ici et ouais. là. à La Coupe du ça, Monde. C'est ça. C'est ça. C'est vrai. vrai. Mais ça, c'est un truc que tu dis bien avant cette Coupe et du et Monde. Ça fait 4000. quatre ans que je Je vais te donner un exemple tout simple. En fait, je trouve que tu peux dire qu'il est moche. Non, non, pas du tout. Je trouve que ce personnage est petit, tout simplement. attendez, 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 attendez écoutez-moi ah, mais c'est quoi ça écoutez-moi j'ai hey, bien dit j'ai bien ah dit ma je... parole ce soir le tapis rouge je le fais pas avec quoi mais, mais, mais laisse-moi hey, parler hey, frérot laisse-moi parler <laughs> j'ai dit je trouve que ce personnage est petit je parle pas de l'être humain c'est pas sa taille hein. je suis pas en train de parler de sa taille je parle du personnage je trouve que c'est un, un, un petit personnage le mec euh, fait son passage à Paris Paris c'était le seul club qui pouvait qui pouvait le soutenir, mais ça, qui tu, pouvait. Et eh avant écoute, mais Paris qu'il pas laisse-moi parler. laisse bien parler. laisse mais sinon je peux pas expliquer ce que je veux dire donc en fait Paris est le seul club qui pouvait le sauver après bah, son, son départ euh, forcé du Barça le mec vient le mec fait son truc moi je juge pas il fait, il fait ce qu'il a à faire et quand le mec s'en va quand le mec part du club il passe. Il y a pas un jour où le mec il crache pas sur le on club je suis désolé question, on lui dit pose ça, la question est obligé de répondre comme ça pas obligé. Paris. tu Paris. peux tu peux très bien. Paris. Paris de la Tu pro. peux tu très bien dire ouais. bah écoute euh, voilà, si. il s'est si. passé ce qui s'est passé, ça a été un peu difficile. Et Paris, tu me mets tout non, non. sur le dos. Le mec à chaque fois, le mec monde qui te le termine. met tout sur le dos. Voilà, c'est tout. Il lui ont tout mis sur voilà. en c moi, c le dos. C'était le responsable petit de tous les problèmes. Le mec t'a mis 16 buts, 16 passes décisives, c'était le seul responsable ouais, de tous il les problèmes. Ne te laisse pas parler. que Là t'es hypocrite, Parce que Ton problème, il date d'avant du PSG, mais vu que t'as pas d'exemple, tu parles de Paris parce que tu exagères tous les parisiens, Et beaucoup de monde qui vont te suivre donne-moi des exemples d'avant Paris, tu le détestes depuis 10 ans. C'est pas, des... pas des. Quels sont en fait... les exemples davant Paris En fait, en fait, c'est ju juste pour te montrer. Mais les exemples, ils sont pas, ils sont pas super frais. Il faudrait que. Ah, j'en faudrait... pas. Non, mais... voilà. non, non c'est pas que j'en ai pas. C'est pas que j'en ai pas. Comme mais... ça sans raison. C'est un bien. sentiment que j'ai de... euh, vis-à-vis de Léo Messi qui date depuis longtemps. Je sais pourquoi je l'ai ce sentiment. C'est parce que ce mec-là, il dégage quelque chose. Il dégage quelque chose qui est complètement faux. C'est tout. Il est il est, il est, il est, pas vrai. Il, ah il ah est, ouais. Mais il... c'est un mec qui ouais, pense pour vous. Justement, il est vrai. Non, c'est pas. Il fait pas passer ici autour. C'est les autres qui jouent des rôles comme les. Les caméras, lui il est. Non, mais mais lui, il aime pas, ah, là en fait, il a non, joué, non, 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 il va foudroyer tout le monde non, sur le terrain. calme, tout. calme, calme le bail, il est deux secondes. <laughs> ouais, ouais, ouais. <laughs> en vrai, c'est intéressant parce que forcément, t'es pas obligé d'aimer quelqu'un et des, non, fois, mais oui. des fois, il est vrai, il y a des personnes qui n'aiment pas leur gueule. Non, mais alors, euh, <laughs> <c 'est> pas, <laughs> <l 'éducation. rire> je dis pas que c'est ton cas. Donc, du coup, à des moments, bien sûr qu'on a le droit de pas aimer Lionel Messi, tu vois, pour des raisons X ou Y, il n'y a pas de souci. Du coup, moi, ça m'intéresse de comprendre pourquoi. Ouais, moi, c'est ce Parce que moi, je t'explique, mais j'ai rajouté lui dire ouais, Par exemple, j'aime pas, il marche beaucoup sur le terrain. Ou à des choses comme oui, ça. Oui. Machin, nan, nan. Bon, je peux comprendre que, surtout si tu es fan de l'équipe en question, ça puisse être irritant, tu ouais. vois. Euh, mais par contre, c'est vrai que je trouve que, genre, au niveau de l'attitude, à part deux, trois vislardises ici et là, ouais. je, je vois pas trop, tu vois, de, de grands bah. trucs, tu sais, des trucs qui sont dégagés de détestables. Tu vois. Bah, que, du en... coup, c'est intéressant d'entendre ce que quelqu'un a pu voir. Parce qu'au lieu de dire que ton point de vue vaut pas le coup, moi, ça m'intéresse de savoir. Non, pourquoi non, non, moi, je, moi je, en fait, je te, je, je te le dis, c'est. C'est des petits trucs, c'est c'est une manière d'être, c'est euh... En fait en fait... C est, c est, là, on va penser que je bégaye, mais c'est compliqué d'expliquer ce que je du veux mal dire. À pas... une vraie non, ouais, j'ai du, du mal à, à l'expliquer parce qu'en fait, c'est très particulier, c'est très spécial. Je trouve que ce mec-là, on, on le fait passer pour un, pour un petit ange, qu'on le fait passer pour un mec très euh, euh, super humble, super modeste, et je suis, je suis convaincu dans, 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 par rapport à ce que je vois de sa manière d'être que c'est pas du tout le cas. Je vois que c'est un. Euh, je vais pas utiliser des termes. Sont... Cristiano Braque. est-ce qu'il est modeste Cristiano Oui, c'est pas, pas un défaut. Mais... Je préfère, je préfère un. Mais il Cristiano. Je préfère, en fait, je préfère un Cristiano Ronaldo, à ouais. un Messi, qui va moins cacher ses ambitions, qui va moins cacher sa personnalité, qu'un Messi, qui va, qui va moins parler, qui va moins dire les ah choses, non, mais, mais qui en fait ne va pas avoir, en penser moins. Tu vois, je trouve que Cristiano, là, en fait, on, on voit plus, on, on, on l'entend plus parler, on, on, on le voit plus en fait. Et Messi, exprimer qu'il est réellement. Qui émotions. Si, <laughs> on lui on le reproche à Messi de pas avoir de personnalité rien pendant la Coupe du Monde. T'as l'exemple derrière. Kemira oui, Bobo, mais, machin mais oui. Et ça, on lui reproche aussi. homme ici en fait, c'est un connard, quoi qu'il fasse, c'est un connard. Mais, les autres, ils le font, pas de soucis. Mais, mais, ben, mais il vous a montré de la personnalité que vous vouliez voir pour la Coupe du Monde. Vous êtes toujours pas contents, les gars. Bruce, êtes -vous <laughs> un jour Le, le, le Kemira ah, Bobo, Et bon. ça, là, ce qu'il a fait, là, le, le, ça. Mais moi, j'aurais aimé le voir depuis le début, ça. J'aurais aimé qu'il montre, en fait, ce qu'il est réellement depuis le début. Pourquoi on le voit que maintenant, ça Pourquoi c'est que quand il gagne la Coupe Parce que les Pays-Bas, ils l'ont insulté avant. lui il est nul, aussi, on va en faire qu'on veut. Ils l'ont chauffé. Bah, quand tu chauffes. Comme le Real Barça quand il a montré le maillot, il est humain, des fois. Bah Fais-le le le depuis le début, cache pas qu'en fait. Mais il l'a pas es caché. T'es pas, t'es pas un petit modeste, t'es pas un, t'es pas un il mec. T'es pas dit, un mec super. Qui, un qui super qui quand comme un, ça, un grand, grand quand est un un quand est un champion comme ça, t'as forcément une part d'ego. Ben oui, oui mais tu, tu l'as l'ego, mais pourquoi, pourquoi il le cache Moi et moi, je trouve. Mais il l'a jamais caché, Mais si, bien sûr qu'il le cachait. Il, il voulait pas montrer ce qu'il était réellement, et du coup les gens, les gens l'ont fait passer pour un saint. Et c'est pas, c'est pas. Mais qui t'a dit Cristiano Ronaldo, et Cristiano c'est pas un et saint Christian, non plus. Et Cristiano, Ronaldo est, est est pas pas, Cristiano Ronaldo n'est pas Cristiano Ronaldo n'est pas non plus un saint. Personne mais dit mais il n'a jamais caché que c'était pas un saint mais Cristiano Ronaldo, vraiment, il a toujours affiché ce qu'il était et c'est ça, ça la différence. Moi ah. ce que je kiffe c'est ton argument il se résume en une phrase, c'est qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire ouais, <rire> <rire> Et ben tu ben, sais quoi Et ben t'sais bah, t'sais bah, quoi, il ça il pourrait dire il, il cache 8 ballons d'or, il a reçu tous bah lui Excuse-le d'être au-dessus du lot. 8 ballons d'or. Mais après allez. Oui, on va avancer. Après ces débats-là je sais très bien que ça 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 attends. Je veux dire ça euh, comment dire ça enflamme les gens après les gens ils vont t'insulter les gens ils vont dire que tu que es un rageux que tout ça non, mais, mais moi mais moi je le dis et, et tu es très bien brusque ça je l'ai toujours dit je respecte le joueur j'ai toujours, ai droit, toujours oui. aimé le joueur et j'ai toujours trouvé que c'était le meilleur et qu il y a, y a aucun joueur au-dessus de Messi Ouh, ça c'est c'est vrai vous êtes trop mes frères non mais ça c'est une certitude <laughs> le pire voilà, le, le personnage j'ai le droit j'ai le droit de pas aimer le personnage c'est voilà. Bon, on va me dire là, c'est l'instant flex. J'ai eu la chance de le croiser deux fois, machin et tout. Tu vois que c'est un mec qui intériorise beaucoup, donc je peux comprendre le truc de la personnalité. Mais c'est quelqu'un qui, contrairement à Cristiano, est moins à l'aise avec le grand public et bah, tout. Il... Si, Messi, si, si Brac, c'est sûr. J'ai vu Cristiano deux fois, j'ai vu Messi deux fois, ça a rien à voir. Cristiano, il a ce côté plus humain. Il... Tu sais, il a ce truc euh, naturel. Non mais que Messi a moins. Donc c'est peut-être ça que tu le reproches. Mais de là à dire, Brac, là où pour moi tu te trompes complètement, Messi sur le terrain. Lui, en fait, ce qu'il aime, c'est le foot. C'est pas tous forcément ce qui est autour. Lui, il veut jouer au foot, faire des gros matchs. Je ne te dis pas que c'est un saint. Il peut avoir un peu de mauvaise foi, des fois, un, est un peu de colère et tout. Parce qu'il est comme ça, c'est un compétiteur, quoi qu'il arrive. Ce pas à ce niveau-là, C'était pas un compétiteur de ouf, comme tous les grands joueurs. Et c'est tout. Mais lui, il se concentre sur le foot. Le foot, rien d'autre. Le reste qu'il y a derrière, ce qu'on dit pour les caméras, mais ça, il n'en a rien à foutre, Messi. Alors là, 100%. on a, en a moi non, ramène a... des Kinders voilà. <laughs> <laughs> voilà. Bon, je t'as te, je te la... vu, Bruce, je te laisse le mot de la fin. Ouais, je... Je, je te contredis pas. Alors, envoie. Top 5, du coup. <laughs> bon, on, va, on va laisser Pipion parler, du coup, mais un ça, peu, parce que c'est vrai qu'on qu pas... l'a pas. Pipion <laughs> Pipion, des fois... Pipion, je le vois, des fois, il nous regarde. Si comme Pipion, ça, il kiffe Messi de ouf. Il a l'impression qu'il est Toi, Tu pris au piège. Moi, j'aime trop parce que tu as rejoint l'émission il y a quelques temps et tu, tu vois ces animaleries ça me fait c'est ces trucs enfin, je, sais, je sais que Messi Ronaldo c'est toujours un sujet extrêmement sensible Mais oui, et, bah oui, bien et, sûr. tu n'auras jamais une unité. après moi sur euh, Messi toi en tant que parisien je ouais. prends une de tes 36 équipes c'est le PSG aujourd'hui <laughs> <laughs> moi je peux comprendre que <laughs> Messi a raté quelque chose au PSG Peut-être pas sportivement, mais au niveau du lien avec l'équipe. Quand les supporters du PSG sifflent le Messi, c'est pas Messi euh, l'athlète accompli, non, le grand joueur du Barça. c'est Celui qui a raté quelque chose. Le voyage en Arabie Saoudite, le fait qu'il ne <laughs> vienne jamais saluer le public, le fait qu'il n'ait vraiment jamais un petit mot. Ça, je pense, c'est là où il a raté quelque chose. Mm. Il s'est évidemment servi du PSG pour préparer la Coupe du Monde. Voilà, tombé pour lui. Mais là, pour le coup, l'histoire, elle est manquée, quoi qu'il arrive. Il y a quelque chose qui aurait pu être mieux fait de sa part. Évidemment, peut-être que les supporters ont été trop véhément insultés, tout ça, etc. Oui. Mais je pense que Messi, il euh, y a du tort euh, de son côté. Mais vas-y, euh, envoie, le, envoie le top 5. Donc, okay. partagé, on est d'accord. Bon, eh bien, on regarde Comme le top 5 des pépéons, du PSG. coup. Alors, ça donne quoi euh, c'est comment Poirot c'est ok tout le monde est là bah c'est parti ah. vainqueur Lionel Messi pour Pipi bah, je, je, je gardais ma place il hein. ah. <laughs> veut pas pointer le patron non après, après, moi, lui euh, j'ai hâte de voir aussi ah on va voir après mais moi j'ai longtemps j'ai longtemps hésité évidemment entre Allende et Messi ouais. euh, mais c'est vrai qu'en se rappelant sa coupe du monde et tout et ne vous arrêtez pas que sur les pénaltys il fait vraiment une coupe bah, du monde sûr. ça c'est l'argument de ne faut, euh... pas... faut vraiment pas avoir vu faut euh, faut pas coupe ça je l'ai déjà dit désolé Pipi de t'avoir coupé sur ça dis bien il, il débloque le match contre le Mexique, contre l'Australie, la, hein. la passe contre les Pays-Bas. Rien que là, je viens de te donner trois matchs avec Croatie, trois Il oui. dépasse les pénaltys. France. La Croatie, quand il a la partie en l'Orlès. Vraiment, juste sur ce truc de, de, de Coupe du Monde euh, au pénalty, ça se crevait les yeux. Hein. Mm. Désolé, tu peux y aller. Non, non, mais <laughs> moi, je suis d'accord avec toi. Enfin, Monde m'a vraiment bluffé. Il a su euh, enfiler le costume de patron. Il était tellement attendu. Enfin, C'est le truc qui lui manquait. Quoi. Il a tout gagné. Et en plus, pour tu vois, le débat, euh, le meilleur, l'éternel et tout, là, il a vraiment mis les points sur les i. Euh, respect même parce, voilà quand tu regardes des compilations de ce qu'il a pu faire au PSG c'était quand même intéressant dommage pour avec des champions euh, après oui il y aura des débats je vois sur euh, deuxième troisième quatrième cinquième j'ai fait par rapport au feeling je voulais quand même récompenser Rodri parce que c'est le joueur qui a été pour moi euh, le plus il y a Allende qui a fait quelque chose d'assez fantastique, mais Rodri, dans ce qu'il a su apporter à Manchester City, c'est vraiment l'homme clé moi, je suis de leur hein. saison. C'est lui qui a tout apporté. C'est pas loin d'être pour moi vraiment le meilleur. Il marque le but de l'année du en Ligue je des suis Champions. Suis ouais. Il a vraiment été euh, satisfaisant. Oui, KDB 5ème et tout. Il y a Mbappé qui fait des choses incroyables. Voilà, il faut trancher. Euh, je me suis décidé ah, sur ça. T'as pas mis qu'il est beau, ce type. Et j'hésitais par entre Rodri et Kix. J'hésitais. Je trouve qu'il est très cohérent, ton top 5. Zach, ça donne quoi, toi Ça me va. Vas-y balance ouais. <laughs> balance balance voilà Gentiment, Lionel Messi, euh, ballon d'or. Euh, quand euh, on regarde l'ensemble des euh, critères qui font un ballon d'or, donc il euh, y a certains critères, et notamment un sur lequel je pense il prend une avance sur les autres, euh, c'est celui euh, de la longévité. C'est un des quatre critères. Il y a une sorte de, de critère qui est autour de la legacy euh, de la performance dans le temps ouais. et ouais. l'héritage. Voilà, mmh. C'est vrai que lui, il gagne beaucoup sur ça, sur le titre, forcément. Coupe du monde, Coupe du monde XXL euh, de sa part. Euh, pff, franchement, les gars, arrêtez de faire les ahuris quand vous voulez contre-argumenter sur Messi. Car Argumentez pas sur la qualité. De la Coupe du Monde. Ah. Argumenter sur d'autres <laughs> choses parce que moi personnellement j'entends parfaitement que Hollande le mérite. Il n'y a aucun souci sur ça. Oui. Je trouve que tu prends le top 3, les 3 peuvent le gagner, que ça ne me choquerait pas du tout. La Coupe du Monde domestique Mais, est ridicule, mais juste sur la contre. qualité ouais. de la Coupe du Monde, les gars, ah, vous frappez ouais. tellement à côté que ça, ça, ça en est gênant. Est vraiment, les gars, je, je, je pense que vous êtes intelligent comme personne, je ne vous prends mm. pas pour des débiles. Donc du coup, je pense que si vous avez vraiment vu les matchs de l'Argentine, vous avez vu ce qu'on a vu et il a été incroyable. Euh, pour moi, je, quand on dissèque la saison année par année, euh, il fait un très bon début de saison au PSG, une très bonne coupe du monde, une deuxième partie de saison vraiment moins bonne. Mm -hmm. Il a l'argument titre, champion de France, Coupe du Monde. Et euh, un manque sur quelques semaines, quelques mois, sur la deuxième partie de saison. Du côté de Manchester City, quand on prend à l'individuel, euh, Manchester City était loin d'être impérial avant février, d'accord, avec même une vraie période de dur post-Coupe du Monde où ils perdent. On s'en souvient, hein, Où ils avant, se font de par de ça, où la machine. à la Carabao, où ils font des défaites contre Tottenham, où ils font des nuls, etc. Et où plein de gens commencent à se dire Waouh, ouais, Manchester City, c'est compliqué, même dans le jeu, des trucs et tout. Manchester City a pas été impérial tout le long et puis après a fini de manière XXL mm. et même dans la finition, c'est au-delà de ça, c'est vraiment un collectif extrêmement fort qui a eu des temps forts pour beaucoup des joueurs euh, et certains à des moments ont eu des temps plus ou moins forts, euh, par exemple Erling Haaland sur la finale et les demi. Malheureusement pour lui, c'est moins ça et je pense que ça va le frapper sur le côté marquant, tu vois, mm. côté marquant d'un but en finale, d'un but en demi, de choses comme ça, tu mm. vois. Euh, Kevin De Bruyne sort en finale, Rodri est extrêmement fort et en plus buteur en finale ouais, ouais, mais ouais. après par l'essence de son poste est peut-être un petit peu moins mis en avant donc à titre personnel vraiment je le dis je pense que c'est un Ballon d'Or qui ira Lionel Messi pour l'ensemble des critères et quand on prend l'ensemble des critères je trouve que en plus quand on ajoute ce truc de longévité il mérite son Ballon d'Or voilà mais si ce soir alors a priori il y a les rumeurs etc il n'y a plus trop de suspense mais si ce soir je voyais Allende si ce soir je voyais De Bruyne ça me choquerait pas du tout ouais, ça te poserait pas de problème quoi. ah oui et pour terminer okay. en plus avec De Bruyne euh, De Bruyne, les gars je vois encore des gens qui arrivent à lui sortir un argument des gros matchs mmh. mais vous avez vu non, ces matchs contre Bayern le seul argument qu'il nique c'est les blessures les blessures mais le seul sinon seul souci il fait une lui. saison extraordinaire c'est sa meilleure saison statistique l'an dernier à Manchester City je crois qu'il dépasse les 30 passes D Extraordinaire face au Real, extra... très bon face au Bayern. Très bon face euh... à Arsenal aussi en PL sur le match oui. retour. Voilà. Très très bon, tiens... bon ce jour-là. Hein. Par, par contre, si on veut prendre par exemple aussi De Bruyne sur les compartiments pour est est vrai le est est match oui, oui, c'est pas il... fait en coup, il y a pas avec de, la la de la sa faute, Mais il y est pas. Mm. Et donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a des arguments qui se croisent. Oui. Et donc quand quelqu'un il dit par exemple, oui, mais en 2010, Iniesta, il prend du Monde, déjà 2010, c'est une des pires années d'Iniesta. Allez vous renseigner, franchement, lui-même il dirait qu'il ne méritait pas ça. Et veut mais ici, au-delà faut vous dire à l'époque des Prime des monstres donc on va prendre CR7 ah, oui. et Messi il euh, y avait des années où ils étaient tellement forts que par leur performance individuelle ah, oui. c'était difficile d'aller juste mettre un mec qui avait gagné plus mais qui foncièrement footballistiquement ah, était oui. deux tons en dessous c'est pour ça que moi personnellement et là je sais que les trois quarts des gens vont pas être d'accord avec moi euh, 2013 des gens disent Ribéry Ribéry ça s'entend mais cette année là CR7 il est tellement fort il mérite son BA il est CR7. tellement fort tellement oui. au dessus que, que je vais dire que ce mec-là qui est fort et qui, qui a fait une saison de malade, la volée, bah, franchement, pas bah de Mais bah, est-ce que tous sûr. les critères sont remplis C'était victoire collective le Bayer. Oui, mais est-ce que tous les critères sont remplis C'est ça le truc aussi. Moi je suis d'accord avec soit, ce que tu dis. Soit, mais... mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des années où il y a des mecs à des moments, par essence, ils ressortent trois tons au-dessus du lot. Est-ce qu'en 2023, là, on a des mecs qui sont sortis tellement au-dessus du lot qu'ils font l'unanimité Non. Moi je trouve que ça se joue entre. 3, 4 personnes. Mmh. Et que parmi ces 3-4 personnes, c'est assez interchangeable ou alors ça se joue à la marge. Oui, en fait, en fait chacun a ses arguments. Quoi. Ouais, chacun a ses arguments. Je trouve pas qu'il y, ait... ouais, voilà, euh... qu y en ait un qui ouais. ressort 3 tons au-dessus. Donc, ouais. en gros, on choisit on choisit ce qui nous a le plus touché finalement, ce qui nous a le plus euh, marqué. Quoi, finalement, quand on prend tous les critères, je trouve vraiment que les mecs, ils sont, comme je t'ai dit, à la okay. marge et que ça, ça se joue à pas grand-chose. tu vois, Et okay. qu'il y a des arguments pour les trois. D'accord. Voilà. Bon, bah, ça, ça me rassure alors pour euh, mon top que je vous proposerai après celui de, de Bruce. Alors. Oh. Comme ça, je pourrais me défendre. Tu nous as fait une petite dinguerie. Non, mais il est hors top 5. Non, franchement, mon top 5, on va les joueurs on va revoir les joueurs qu'on a vu là Mais il y a du Marcus Thuram ou pas non j'ai pas mis Mike Maignan. en Diogo Dalot troisième. après ils vont vraiment le croire Zaire Emry sur le podium putain Raphaël Guerrero. 5 je j'avais pas vu ça <laughs> troisième si Dortmund gagnait la bouteille, arrêtez! <laughs> après, après les mecs, ils vont vraiment euh, croire que, que je vais te C'est toi qu'on y ben croit! Arrêtez les gars! <rire> <bouger>. <rire> on hésite! Je peux même pas m'expliquer, Bon, Bruce, quel est ton, ton deuxième, ton troisième, ton quatrième et ton cinquième? Alors du déjà coup. pour commencer, ce qui Non, je veux, je veux le deuxième et. et non, mais c'est qu'on me dit que je suis anti-Mbappé, c'est moi qui l'ai mis le plus haut du plateau pour le moment. Ah, vas-y, comme quoi, c'est quand même bizarre, tu vois. Ok. Pas merci Poinot, mais c'est pas mal. Bah, tu peux la remettre, tu peux même la laisser si tu veux. Hein. <laughs> Quand tu veux. Hein. Ok, donc pour moi, il y en a deux qui peuvent avoir le ballon d'or, il n'y en a que deux. Donc c'est Messi et Allende à la base. Bon, on sait depuis la Coupe du Monde que Messi a le BO, ça on l'avait dit depuis longtemps. Hollande, c'est la meilleure saison en club. Messi, c'est la Coupe du Monde, meilleur joueur de la Coupe du Monde, etc. Comme l'a dit Isaac, bonne, bonne première partie de saison avec le PSG. La deuxième, c'était plus compliqué avec le PSG et pour tout le PSG. Euh, j'ai mis Kylian Mbappé troisième pour la Bonne Saint-Prison qui fait une très bonne Coupe du Monde. Voilà, La Coupe du Monde de Messi est un peu au-dessus, puis il gagne la Coupe du Monde. Donc forcément, il passe devant. Si Mbappé avait gagné la finale, Mbappé aurait été ballon d'or. Pour moi, je l'aurais mis premier. C'est comme ça. Donc euh, je suis ma logique. Et après, j'ai mis Rodri devant De Bruyne. Rodri, j'ai adoré et tout aussi. De Bruyne aussi, mais je sais pas, j'ai envie de récompenser Rodri pour tout ce qui a été dit juste avant. Enfin, il est juste incroyable et on le voit là, toutes les défaites maintenant de City cette saison. Ce pas ça ne choquerait personne, Rodri. Hein. Ouais, mais tu connais, c'est toujours je les et Je sais, stars, hein, les manières, mais bon. mais il a le niveau, en tout cas aujourd'hui, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et pour moi, ce qui en fait, Nick Allende, tu le vois sur le classement et tu le voyais écrit Berry sur le ballon d'or où Cristiano l'avait pris, c'est que bah tu peux regarder sur le top 5, il y a trois joueurs de City. Pour la bonne et simple raison que City, oui, Allende, c'est celui qui met les buts. Il bouillit, il a été moins clutch peut-être sur les finales, les derniers matchs et tout. Mais. Tu penses à De Bruyne, tu penses à Rodri, Des Bernard C'est le fameux vois, partage tu... de voix, c'est ça. Comme le ouais. Bayern à l'époque où Robben, Okérébiri, okay, t'es peut-être légèrement devant, mais t'avais du Robben, t'avais d'autres joueurs qui avaient été très forts. C'est le truc collectif fort que Messi, c'est le seul Ouh. Argentin qui est dans le top 5 parce que c'est Messi qui est même au-dessus du lot, comme Ouh. quand Cristiano gagnait avec le Real, Ouh. Messi avec le Barça, etc. ou Donc... l'équipe de France 2018, ouais. où il y avait Varane, Griezmann, Exactement. Mbappé, Pogba, ça avait beaucoup éclaté mmh. les voix. Parce que t'as pas un mec qui cent mmh. fois au-dessus des autres. Tu vois, de là as Mbappé qui va sortir du lot pour l'équipe de France, mais il a ni la Ligue des Champions ni la Coupe du Monde. S'il gagnait la Coupe du Monde, il était BO. Donc, c'est pour toutes ces raisons. Et la Coupe du Monde de Messi, elle est incroyable. Moi, c'est une des plus belles Coupes du Monde que j'ai vues pour un joueur, personnellement, depuis que je suis né, Il a été décisif à quasi tous les matchs. À chaque fois, il a fait le petit truc dont avait besoin l'équipe. Même il défendait, il faisait quelques efforts, etc. Il a été, il a été chirurgical dans tout ce qu'il faisait. Et voilà, meilleur joueur de la Coupe du Monde. Et il a fait ses stats après avec le PSG. Même si bon, la saison avec le PSG, on s'en souviendra pas forcément, hein, parce que ça a été un PSG très décevant. Mais le Ballon d'Or de Messi est totalement mérité pour moi. Ici, si Allain, comme l'a dit Zach tout à l'heure, prenait le BO. J'aurais rien dit non plus. Voilà, il a une très grande saison en club. Il fait le triplé. Tu vois, pour moi, c'est les deux qui auraient pu prendre le BO et j'aurais rien dit. Mais Messi pour sa Coupe du Monde. Pour moi, ça sera légèrement devant. Non, mais en, en, tout, en tout cas, euh, je vois que on respecte bien ce, ce critère, enfin ce truc hein, qui dit que la Coupe du Monde est l'élément euh, le plus important de cette saison et ce qui, ce qui fait que on va retrouver très souvent euh, Lionel Messi. Euh, euh, en tout cas, euh, bah, premier dans les tops. On verra celui de Zal et de Kanto après. Moi, j'ai choisi Mbappé. Je t'avoue, j'ai choisi Mbappé en, en ballon d'or. Euh... Ah oui. Bah ouais, j'ai choisi Mbappé. Oh. Oui, 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 oui. Voilà. <laughs> choisi... Pour de vrai. Hein Pour de vrai <laughs> ouais, pour... <laughs> Ah oui! ouais, j'ai choisi Papé parce que. Parce qu'en fait, on, on considère attends, que. C'est vraiment on, pour cons... pas mettre Messi! Attends, mais <laughs> tu voulais pas on... mettre quatrième Mais non, si. mais on considère c'est cons... comment... juste pour pas ah, mettre Messi! Il, il, quatrième. Comment ça, quatrième. Attends, fais-moi! J'ai pas dit fais C'est attends, mais attends! Attends, mais il a même mis Vini, la famille Rodri et tout. Il a fait une est saison est incroyable. Il mais 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 de... Là, là, là c'est pour les caméras. Mais pas, filo, pas du tout. Non, 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 pas vrai, pas vrai, non. Non, non, non. non, Attends, Je m'explique, les gars. On respecte Jacques Grillon pour la deuxième bonne partie de saison. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. 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 Non, mais non, en, en, en fait, en fait franchement, là, je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur. J'aurais dû mettre Audrey à la place de Vinicius. Tu fait pas réfléchir Je te jure que j'aurais dû mettre Audrey. Désolé, on t'a beaucoup coupé. C'est pas grave. J'aurais dû mettre Audrey à la place de Vinicius. En fait, euh, Bappé, on, on, on dit que la Coupe du Monde, c'est le plus important. Moi, je considère personnellement, et c'est mon avis, comme ce que tu disais tout à l'heure, Zach, avec euh, tous, ces, tous ces éléments qu'on prend en compte, même s'il ne la gagne pas, je considère que c'est lui qui fait la meilleure Coupe du Monde, Bappé. Je considère qu'il a été décisif décisif quasiment à tous les matchs il a été, il a été présent dans les moments non, les plus importants Maroc, bah, il a été quand même la très, finale, on il a été très très fort il a mis des les, buts marquants de la 80e. il a mis des buts marquants et, et lui aussi il a une forme un petit peu de, de, de legacy et, et, et j'aurais aimé qu'il voilà, soit, il soit euh, sacré euh, cette année, j'ai mis Messi en deux parce que bah voilà, c'est les deux meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. Bah, je mets Messi en deux parce que je choisis Mbappé en, en un. Erling Haaland qui mériterait aussi de prendre le prendre le BO pour, pour sa saison. Euh, Jack Grealish, en fait, j'avoue, Grealish, je me suis fait plaisir, c'est pas non mais là frère. Je vous, je vous, en fait, je l'ai mis, mis parce que en fait, ça me fait plaisir de me dire que le mec a fait une saison incroyable et que et que en fait, au début, personne n'y croyait et que finalement, le mec a été déterminant avec City. A été non mais en un plus, tu vois, je vois bien que les Donc, titres, voilà. ça fasse pas tout le BO. Je suis le premier à le dire. Oui. les gars vous vous forcez à prendre que les mecs qui gagnent le plus de trophées et qui jouent un peu bien et à vous dire c'est lui le ballon d'or mm. je l'ai déjà répété mais c'est ce qui faisait dire des gens genre Gignot en 2021 Varane ouais, ouais, ouais. en 2018 ouais, ouais. les mecs ils ont une carte qui a gagné le plus de trophées tiens c'est lui le ballon d'or ouais. bon, c'est pas comme ça que ça fonctionne mm. mais à des moments un minimum aussi <laughs> c'est difficile de mettre un ballon d'or oh. qui a gagné que la Ligue 1 bah, il a gagné la Ligue 1, mais il fait... Mais, non, mais, mais ça tu sais, ça te joue, joue à une séance de péno je suis d'accord. Bah ouais. mais, mais ça c'est ténu Mais tu sais il quoi serait, Il aurait été Ballon d'Or et mérité à une séance de péno près. Ça ça mais mais pu... tu peux pas mais mettre mais Ballon d'Or à une séance mais de péno près. Mais ce que je vais vous dire, moi, euh, moi je, je suis un fervent supporter du, du, du Ballon d'Or de, de Modric, qui a été énormément critiqué. On, 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 on le sait tous, tu vois, pas C'est pas que moi. Il y en a plein qui critiquent le Ballon d'Or de Modric. il est meilleur joueur LDC. Pourtant, je crois. Il gagne la Ligue des Champions. Il fait joueur des de Coupe du Monde ouais. et c'est un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. Ouais. et à l'époque, il s'est fait tirer dessus dans, dans tous les sens parce qu'il gagne le Ballon d'Or. Moi, je suis désolé, le Ballon d'Or de Modric, il était largement mérité. Sa saison est était, parce était que chaque incroyable. Les gens vois, y a... et c'est normal mais parce oui. qu'il y aura jamais du... C'est trop rare les unanimités. C'est trop rare. Il y a certaines années de porc, euh, genre des Messi 2015, ouais. des CR7 2017. Même l'an dernier, tu vois, Benzema, il y a pas trop de débat. Ou Benzema, ben c'est normal. Et encore, parce que les gens, ils aiment bien des fois. Moi, moi, mes Frérot du Ballon d'Or, je les aime trop parce que ça, c'est les gens, ils débattent de la huitième place ouais C'est le 13e! vrai? Même le 9e, il a une petite chance. Genre, vous avez vous y a a moyen d'être les gars. Ce que tu, ce que tu dis, c'est authentique. À part la 17e <laughs> place de palette au Ballon d'Or 2016, parce que Héro, il a fait son PowerPoint à la commanderie pour dire regardez la fierté. Incapable de citer, euh, genre, le 15e du Ballon d'Or 2017. Ah, tu ah, vois. Ah, genre, ah, c'est euh, impossible. C'est vrai que c'est débat futile. Non, mais en tout cas, voilà, tu vois, Genre franchement. Euh... ah mais on n'est pas obligé de gagner forcément pour avoir un Ballon ah, d'Or, tu ah, vois. Un peu quand même. Ah, mais... bah, un peu. Le truc, c'est quand en face, t'as un Messi ou un Hollande a. Fait les stats et qui a gagné les, toutes les grosses compétitions, braque, euh, tout est réuni. S'il n'y avait ni Mbappé, ni Allen ni, Allende, ni, euh, ni euh, Messi, Peut-être que là, Mbappé, il aurait pu avoir le BO, mais... Genre quand a ces souvent, mecs -là même, même Messi en 2010, tu vois, des trucs comme ça, il pète au moins deux trophées, tu vois, de, genre des, des, des Liga, Copa del Rey, tu vois, des trucs comme ça, tu ouais. sais, en étant extrêmement bon... On blanc, aime bien en étant, des talents. Tu même. Vois, même, en, même en 2013, CRC, euh, je crois, CR7 il gagne quoi le Real Madrid cette année Il gagne pas la Liga mais je crois qu'il gagne la Copa del Rey, et il fait une saison à, à titre individuel du qui est très... Mais c'est léger, tu vois. Ouais. Et donc franchement, ouais, à l'heure actuelle, mec... Euh, moi, je suis content et surtout moi, c'est ce que je disais sur mon live. Euh, et et, et on a tous un avis, voilà. Franchement, on a tous un avis ouais, ouais, ouais. Euh, avec tous nos arguments qui s'entendent ou qui s'entendent pas. Je suis sûr qu'il y en a. Vous nous avez écoutés, vous avez dit, on n'est pas d'accord du ouais, tout. Ouais, Certains, ouais. vous êtes d'accord et tout. Il n'y a pas de problème. Et je suis aussi d'accord pour dire quand je trouve que quelqu'un me trompe, se trompe, pardon, en contre-argumentant. Juste des fois, les gars, que je trouve dans le football et, et ça s'applique aussi à moi. Donc en premier, je le dis, mais c'est important de le rappeler. Les gars, quand à des moments, il y a un consensus. De plus de 100 journalistes qui arrivent à un truc, même si le journaliste du Sri Lanka, il a mis. Euh, <laughs> Bonucci. Carinson <laughs> Sanchez dans le top 3. Ah ouais, y avait ouais. Au global, on peut aussi avoir l'humilité de se dire que c'est pas sans corrompus, mm. c'est pas sans mecs qui n'y connaissent rien. Moi, non, je c sais pas, c'est de, oui. de la merde. Ouais. Et que c'est pas forcément un complot des instances pour le nain argentin ou je sais pas quoi. Ouais. Au bout d'un moment, on peut aussi se dire. Bon, pourquoi est-ce qu'ils arrivent à ce truc-là et essayer de concevoir ou en tout cas de comprendre C'est plus facile que directement de dire. C'est <laughs> porcément... de la merde, ils connaissent rien, Ouais, 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 depuis. mais ça. Et il ça... y a trop de gens, ils sont très rapides sur ce, cette <coughs> pensée. -là. Ça, c'est euh... ce que je dénonce quasiment tous les jours, ça, personnellement. J oui, justement, exactement. ils ont réduit le vote au temps 100 du classement FIFA pour. Enlever ces espères dingueries parce que bah, le fameux journaliste du Sri Lankais euh, affise qu'on salue parce que <laughs> le mec qui met au babélian sur le podium, c'est les gens du football pour moi. Mais euh, c'est toujours un débat. Moi qui ai travaillé à France Football, qui ai vu de loin la préparation des listes, euh, même pour faire une liste de 30, c'est beaucoup, beaucoup de débats très intenses. Enfin, c'est quelque chose de, de vivant. Il y a ça beaucoup de à participer à ça. En, en vrai, à, à vivre une fois dans ta vie, c'est assez, euh, assez fantastique. Et là, comme tu le dis, un consensus de 100 journalistes euh, qui euh, suivent assidûment le football, qui mettent Messi devant. Voilà, faut pas non plus trop rentrer dans le débat et tout. Il y a pas scandale, quoi. Mmh. Okay, Alors, okay. Et il y a un truc parce que bon, on a compris que c'était Messi ou Haaland, entre les deux. Il y a aussi peut-être le côté, on va dire, magique du mec sur le terrain et ce qu'il peut faire. Non mais c'est vrai, moi pour moi ça ouais, rentre le côté aussi côté esthétique, en tu veux dire. Mais ici, oui, ce oui, qu'il oui. est capable de faire sur un terrain, euh, voilà, c'est quelque chose de, de fou, il faut le dire, au niveau ouais, créatif, ce euh... que tu veux. Et je pense que ça peut compter aussi, tu vois. Non mais un aspect esthétique, oui, oui, ouais. oui. Bon. En plus, l'aspect longévité. mais en tout cas voilà. Euh, Alors, très content qu'on passe à autre chose très vite oui. dès la semaine prochaine, parce que <laughs> le ballon d'or, ouais. c'est cool, on va y assister ce oui, soir, oui, oui, ça oui, va oui. être unique. <laughs> mais je trouve que vraiment, quand on parle de foot, c'est l'un des aspects les plus inintéressants du monde. Je suis de plus en plus d'accord avec toi. Avant, moi j'étais trop fan du ballon d'or, mais de plus en plus j'ai beaucoup plus goût de goût que Messi la non même fois. pas vous serez maintenant il, il vous laisse tranquille Messi oui, tu sais pourquoi je vais pas y prendre goût moi de, de de ce que je vois de ce qu'on en fait du Ballon d'Or désormais je trouve ça vraiment ridicule en fait je trouve que les débats sont sont, sont devenus complètement insensés et, et c'est pas que Messi qui, qui Mais ça problème, à cause en des en fait, guéguerres Messi Cristiano c'est les, les communautés sur les oui, réseaux c'est tout ça en fait le Ballon d'Or c'est devenu c'est devenu nul moi j'aimais bien mon petit BO quand j'étais jeune tu vois j'allumais la télé je découvrais que ballon d'Or puis c'est des donc j'avais pas de surprise on discutait aussi quand on était jeune. Hein. Euh, moi, après, je me rappelle, j'avais 11 ans, il crachait sur le BO de euh, Canavaro. Canavaro, oui, c'était oui. pas un scandale. C'était pas immérité. Hein. En 2005, euh, le Barça, il pète pas du tout la LDC euh, et c'est Ronaldinho. Ouais, mais, mais je le que, joueur était fou, tu vois. Ouais, je sais, mais je ça, trouve, moi, ça me dérangeait pas. En tu fait. Vois, je sais pas si c'est ma mémoire ou quoi, et c'est là où des plus anciens peuvent me donner la leçon, mais j'avais aussi quand même l'impression qu'il y avait moins de débats futiles des fois quand il y avait un mec qui faisait l'unanimité par son côté perso, tu vois. Mais ça, c'est à cause de Ronaldo et Ils ont tellement. Ils ont tellement ça, est installé des oui. standards hors normes que les autres, ils ont tellement mis les autres à des années-lumière que la question est posée mais ici il va prendre le BO parce qu'ils étaient trop au-dessus. Et ils ont troublé la perception du Ballon d'Or. Moi je trouve oui, que justement, c'était qu trop fort Braque. Oui, mais mais je ne remets pas ça en BO cause. Les tu, mecs. Vois, tu vois par exemple, toi tu parles de tu parles de Ronaldinho, tu parles de Cannavaro, on peut remonter plus loin le Ballon d'Or de Pavel Nedved à l'époque, il y en a beaucoup qui se sont demandé pourquoi on le donne à Nedved, tu vois, alors que euh, Nedved c'était un joueur exceptionnel. C'est vrai que je, je sais plus s'il avait euh, s'il avait gagné des titres ou quoi, mais à l'époque, je me souviens que ça avait ça avait créé euh, pas mal de débats. Mais pour autant, ça avait fait des débats mais ça faisait pas Débordement en fait, ça ne débordait pas et c'est ça en fait. Euh, désolé, on a on a quelqu'un qu'on qu doit avoir euh, à l'antenne avec nous qui va nous lui euh, nous parler de son euh, de son classement enfin ah. de qui il met ballon d'or un viewer c'est ah, okay. juste un, un truc. Je... On, on a bien problème. vu les on a bien vu les top 5 de Zal et de et de Kanto. Alors comment il s'appelle Poineau Excuse-moi parce que j'ai pas euh, j'ai pas l'info. Il s'appelle Adam et il est là. On avec est là à nous. avoir voté Messi dans la team argent. On est combien 4 Messi et 2 Allain donc notre ballon d'or va pour Messi quand même. Oui, bah. Non, mais le vote hors-jeu, juste. De toute façon, les ballon d'or, c'est Messi qui l'a et c'est réglé. Adam, est-ce que tu nous entends Oui, je vous entends. Eh bien, écoute, bienvenue à toi dans hors-jeu. On te laisse un petit peu la parole à toi aussi. Alors, de ce que j'ai compris, toi, ton ballon d'or, c'est pas Messi, c'est ça Non, c'est pas Messi, non. Alors, c'est qui Bizarre que Braque, qui t'ait choisi. Non, ça tient. Tiens, ça tient. C'est pas moi, c'est Poineau. Alors, c'est qui ton ballon d'or, justement alors, moi, mon ballon d'or, c'est Haaland. Et pourquoi Alors, bah, je vais parler des trois. Donc, pour moi, les trois favoris, entre guillemets, c'est Haaland, Messi et Mbappé. Donc, je vais faire un par un. Donc, pour moi, Haaland, il a une saison totalement exceptionnelle. C'est limite absurde ce qu'il a fait. C'est un monstre statistique. Et pourtant, ce n'est pas un joueur que j'apprécie énormément. Parce que déjà, je supporte Arsenal. Donc, il m'a un peu fait chier la saison dernière. <laughs> et en plus de ça, euh, c'est pas un joueur esthétique comme Messi, par exemple. Ouais. c'est pas un joueur qui fait vibrer comme lui. Mais selon moi, sa saison, elle est un peu euh, trop exceptionnelle et c'est un peu incroyable ce qu'il fait pour une première saison en Première Ligue alors qu'il venait de Bundesliga. En deuxième, je mettrais Messi. Alors, euh, j'adore Messi. Hein. C'est pour moi le meilleur joueur de l'histoire. Mmh. Et euh, s'il prend le ballon d'or ce soir, ça ne m'étonnerait pas et je ne créerais pas au scandale parce que sa Coupe du Monde, elle est exceptionnelle. Des fois, je parle avec des gens qui résument sa Coupe du Monde à des penalties et je ne comprends <laughs> pas parce qu'à tous les matchs, comme vous avez dit, il est décisif. Je me rappelle du match contre le Mexique, ça frappe. Bah, J'ai sauté de mon canapé et dans tous les matchs c'était exceptionnel. <laughs> bah, J'adore Messi. Et bah je... franchement, s'il prend le Bandor ce soir, ce sera pas un scandale et ce sera mérité. Et tous ceux qui te diront oui, Messi est un, est un voleur ou quoi, bon. C'est des mecs qui connaissent pas le football et qui sont Putain, juste là pour. pour j'adore comment Il y plus de viewers comme ça, des mecs équilibrés qui sont capables de reconnaître qu'il peut avoir plusieurs trucs. Il, il dit c'est bien, pas les mecs de l'extrême. Lui, y <laughs> a dans le chat. Non, mais il a, à il a raison, c'est <laughs> vrai que j'allais dire lui, il dit à et tout. Et moi, j'ai dit à s'il prenait le BO, je verrais pas de scandale. Oui. Et comment il explique Tu sens qu'il n'y a pas de haine Il explique pourquoi Non, 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 il parle tranquillement. C'est bien. Donc, Adam continue. C'est agréable. Pour finir, bah, Bappé, c'est mon joueur préféré, Kylian, mais pourtant, vous voyez, je le mets troisième. Bah, comme vous avez dit, euh, il ne prend ni le Ballon d'Or, ni, enfin, ni la Ligue des Champions, ni la Coupe du Monde. Et il y en a un qui prend la Ligue des Champions et l'autre la Coupe du Monde, donc ce qui fait qu'il est forcément en dessous. Il réalise quand même une saison, très 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 bonne saison individuellement, malgré le fait qu'il prend que la Ligue 1. Il fait une Coupe du Monde extraordinaire, malgré, comme on a dit, euh, un match contre l'Angleterre où il n'est pas très bon et contre le Maroc aussi, mais euh, ça, son triplé en finale, c'est euh, assez fou donc pour moi ouais, il, est, il est un peu en dessous des, des deux autres mais ça ne me choquerait pas non plus qu'ils le prennent non bah écoute euh, un, un joli top 3 franchement bon bah voilà Bruce rien, rien euh... à dire rien, rien il à dire. explique pourquoi c'est Ces cohérent sont là. ce qu'il dit il n'y a pas de de mauvaise foi sur un joueur en disant machin Voilà, mmh. c'est parfait okay. on est tous d'accord sur ça quoi après un ou deux très chose bon bah Adam bah, merci beaucoup en tout cas d'être passé ouais. avec nous Merci. 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 Tu reviens Merci. quand tu veux dans l'émission, OK Tu reviendras pas parce que tu donnes pas le BOM ici, <laughs> mais c'est pas grave. J'ai bien aimé ton passage. Ah, ça a froissé le patron. <laughs> Merci beaucoup, euh, Adam. Allez, on, on enchaîne, messieurs, et on va parler maintenant Ligue 1. Ça va être un peu moins sympa. C'est parti. Bon, euh, avant de revenir sur ce qui s'est passé hier, on va d'abord euh, voilà, parler de. de matchs, hein, des autres rencontres qui ont pu euh, se jouer bien entendu, on va parler coup de cœur de cette dixième journée, du coup je vous demande messieurs de prendre vos, vos ardoises euh, pour m'inscrire pour votre coup de cœur de cette dixième journée ah, et juste après on parlera ouais. bien entendu de euh, l'Olympico euh, annulé, de tout ce qui s'est passé, de Fabio Grosso, euh, des supporters je sais que Zach en a gros sur la patate et qu'il a beaucoup de choses à dire euh, dessus, je sais que Cipion aussi, <laughs> je sais que Bruce aussi, donc euh, on va essayer d'être euh, bien calme mais en tout cas on vous parlera de, de tout ça. Juste avant euh, le classement peut-être pour, euh, pour regarder un petit peu les, les dynamiques ce qui s'est passé qui a réalisé les meilleures performances de, de ce week-end bah, il y a deux équipes c'est lancé Montpellier qui gagne 4 places au euh, classement lance avec sa, sa victoire euh, assez, euh, assez nette hein, sur le FC Nantes dont Bruce parlera tout à l'heure Montpellier qui arrive à, à s'imposer 3-0 face à Toulouse malgré la semaine assez délicate euh, que le club Erol euh, a vécu euh, Monaco qui perd sa première place du coup après cette défaite contre le LOSC ça aussi on en aura euh, un, un petit mot peut-être que Lille c'est l'équipe qui peut bah, rejoindre un petit peu ce... Euh, ce wagon, euh, ce wagon de tête, le Paris Saint-Germain avec cette victoire euh, un peu arrachée face à Brest euh, recolle et, et regagne une place, se rapproche de sa place entre guillemets euh, naturelle dans ce dans ce classement de de Ligue 1. Et ensuite, bah on, on pourra donner nos avis sur, sur tous ces matchs. Alors, messieurs, votre coup de cœur, Bruce Accord Adams. À... Accord Adams. Ok. On est on est complètement d'accord. CK et Zegrova. Toi, tu as envie de parler de Lille, toi. Ouais. Je, 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 je le sens. Et ça, il a envie de parler de rien. <laughs> pas trop le cœur à pas ça. Trop, trop j'ai regardé Lance Nord, j'ai regardé PSG Brest, j'ai pas trop suivi la T'as Pas trop souvent, mais il a, 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 a pas de soucis. On, on, je on va rester chill. On, on parlera de, de, de Montpellier, de, de Lille tout à l'heure, mais on va forcément commencer sur, sur l'Olympico. Ça va être peut-être plus un. un, un peut-être un cri du cœur quoi parce que c'est vrai que c'est un peu euh, touchant pour les mauvaises raisons de, de, de voir euh, qu'un match ne peut pas se jouer à cause de à cause de ça euh, Zach, comme d'habitude je, je te garde un ouais, peu t acquête, t acquête. Euh, de côté parce que toi tu es le plus concerné Pipion quand tu vois ça <laughs> qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu te dis euh, cauchemar euh, chaos euh, dégoût qu'est-ce qu'il faut maintenant on va on va arriver sur un sur un mort à cause d'un match de football euh, quand tu vois les images de grosso et tu vois la cicatrice il aurait pu perdre un œil il est vraiment pas passé loin euh. ouais de quelque chose d'assez terrible. Euh, franchement, quand j'ai vu l'annonce, j'étais un peu dégoûté. Et en même temps, c'est vrai que c'est le type de match où tu sais que ça peut arriver. Et malheureusement, ça arrive. C'est ça le souci, c'est qu'on a trop vu euh, des matchs euh, en Ligue 1 euh, depuis deux ans interrompus. Mais là, on a vraiment franchi euh, une, une barrière qui euh, me paraît vraiment très, très dangereuse. Et j'en veux à, on va dire, deux groupes de personnes. C'est évidemment bah, les supporters euh, qui se défoulent, euh, pour qui le foot sert de défouloir. Évidemment, euh, là, c'était sur la voie publique et tout qui euh, vraiment se, voilà quand tu vois les les, les objets l'équipe apparaît de boules de pétanque donc c'est vraiment pour moi c'est l'intention de de, de, de de tuer de faire vraiment très ouais. très mal à la personne tout ça pour euh, du foot parce que tu t'aimes pas le club en face alors as le droit voilà euh, tu as le droit de pas aimer loin Lyonnais mais en arrive à ça ça me ça me dépasse totalement et puis j'en veux aussi bah un petit peu aux autorités euh, qui euh, l'escorte du busionné. je je comprends pas comment mmh. ce qui s'est passé sur un endroit aussi euh, euh, dangereux délicat on a pu laisser euh, le bus décélérer et après ce déchaînement de haine. donc que je... un truc anticipé qui aurait pu avoir des problèmes sur Exactement. Un match comme ça, hein. moi, moi, je suis d'accord. Je, je pense que Gérald Darmanin euh, doit euh, prendre des responsabilités parce que j'en ai marre de voir ce mec euh, euh, s'échapper. Euh, ouais. La finale au Stade de France, c'était la faute de Liverpool. Les attentats, c'est la faute de Benzema. Maintenant, c'est la faute des clubs. Donc, euh, c'est à, à cause de lui qui s'est passé ça. C'est lui le ouais. responsable. Ouais, Il doit comprends. prendre. C'est pas possible de voir euh, des bus fracassés comme ça. Normalement, la sécurité doit être assurée. Mm. Et euh, pff, que, que, que te dire de plus, honnêtement, c'est. On est fatigué, quoi. On est fatigué. Ouais. On pensait assister à un, match, à un match de football. Et encore une fois, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de, 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 de points. En, en suspens et euh, bah, premier message évidemment bon rétablissement à Fabio Grosso et euh, honnêtement à l'Olympique Lyonnais je, je me demande ce qu'ils ce qu'ils doivent en penser il a dû se passer beaucoup beaucoup de choses euh, ouais vraiment quand, quand, franchement quand j'ai vu l'image j'étais 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 choqué quoi bah en fait ça, ça quand tu vois ah, Fabio Grosso choquant. tu vois tu vois l'image ça te glace le sang quoi tu te dis euh, ouais. toi t'allumes ta télé tu te dis tu vas voir un match de foot et finalement tu vois un mec il est complètement ensanglanté enfin c'est juste terrible Bruce toi, non je te pose la même à peu près tout dit donc c'est dur de passer derrière lui mais c'est vrai que c'est Enfin, ce qui est terrible dans tout ça, c'est qu'on arrive à être même plus surpris. C'est ça qui est, qui est fou. Mais il y a tellement de problèmes. On le voit aussi avec ouais. les trucs de racisme, etc. Là, tu vois grosso. Enfin, il y a des trucs dans tous les sens. Tu vois certains supporters, etc. Pour la sécurité de tout le monde, comme l'a dit Pipion, Et ça va finir. Il y aura des morts, etc. Ouais, 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 Parce que là, ça, ça va de plus en plus loin. Tu as l'impression que ça bouge pas. Enfin, les problèmes se règlent pas petit à petit. Alors, on sait que c'est compliqué de régler les soucis, mais il faut bien tenter des choses. On ne peut pas continuer comme ça parce qu'au bout d'un moment, ça va être complètement incontrôlable. Ça commence à l'être. Donc, euh, bah, c'est juste très grave. Et ouais, bah, grosso, comme vous avez dit, c'était très choquant. Au début, on entendait que potentiellement, le match allait peut-être pouvoir se faire. Je ne sais pas quoi, comment tu veux jouer en ces ouais, conditions-là. Ouais, tout le sûr, monde est choqué est et tu pas la tête. Je pense qu'ils qu ont eu un espèce de, de gain d'adrénaline en voyant ouais. ça. Ils ont dit ouais. Allez, vas-y, on y va. Ouais, ouais, ouais. Seul contre tous. Et heureusement, il y a eu ce moment Ils ont vu le coach dans le brancard, pas lucide. Voilà, il y a eu de la raison qui est revenue, mais euh, ça aurait jamais joué, je pense, ouais. qui qu arrive. Ouais, donc euh, voilà, moi, je vais laisser parler à ouais, Zach, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, oui, même, ça ne devient même pas de surprenant, et c'est ça aussi qui est très grave, et ça va pas aller en s'arrangeant, ça sera de pire en pire, parce qu'il n'y bah, a aucune solution qui est trouvée, tu as l'impression ça ne bouge pas au début, tu as des belles paroles, des trucs, mais au final, on, il se repassera la même chose dans quelques semaines, ou un truc similaire, on le sait tous. Que voilà, écoute, le, l, a... on... le, le, le pire c'est qu'ils ont fait l'effort, tu vois, de faire venir les supporters ouais. lyonnais, mm -hmm. tout ça, d'encadrer la préfète. A dit, ok, je, je, je vous donne ce passage. Ouais. Là maintenant, on va se prendre un retour de bâton où bah, les préfets qui sont récalcitrants ils vont arriver mm -hmm. sur des interactions de déplacements et tout. Pourtant, et le truc, les trucs dans le ils disaient, ok, faut arrêter, faut être de plus en plus ouvert. Mais quand tu vois les images d'hier, tes préfets, t'as pas envie de prendre le risque, c'est sûr, c'est sûr, ouais, t'as envie d'être encore ça plus dangereux de façon d'aller dans des stades autour de stades de plus en plus. Hein. Et certains, ouais, certains ouais. trucs, non, mais c'est vrai, tu peux même pas y aller maintenant en famille, pas emmener des gamins en quoi, tu sais, tu te dis, t'es pas oui, là. Oui. tu sais, t'étais serein, tu te posais pas ces questions-là, moi. Aujourd'hui, tu te dis, ça peut partir en couille pour rien, tu vois. Ouais, en fait, en fait c'est ça, moi, ce que, ce que je pense par rapport à ça, c'est que. Euh, pour reprendre tes termes Bruce en fait, c'est que tu as l'impression qu'il n'y a pas de prise de conscience et... il s'est passé déjà plein de trucs il hein. y, y a déjà eu plein de, de choses qui sont, qui sont arrivées et pourtant il n'y a pas de désescalade il va y avoir des moments un petit peu où ça va redescendre mais en fait tu sais qu'à tout moment ça peut repartir, c'est ça qui me gêne en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas la prise de conscience et, 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 et voilà un, un, un truc comme ça peut arriver et, et je, trouve ça, je trouve ça incroyable. Zach qu'est-ce que toi tu veux dire toi bah, déjà, je suis content de pouvoir en parler 24 heures après, ou à peu près à froid. Euh, froid ouais, ouais. C'est-à-dire, ouais. moins avec l'émotion du moment, parce qu'hier soir, ouais. j'étais euh, fortement touché. Pardon. Mm. Euh, je le suis toujours aujourd'hui, un petit peu moins. Euh, et forcément, hier soir, j'étais écœuré euh, de tout ce que j'ai vu. Donc, j'étais écœuré de voir euh, les bus attaquer euh, avec des pierres, des, pétan des, balles de, des boules de pétanque, des torches. On va discuter oh. des torches, mais on a vu des torches lancer un truc inflammable ouais. sur un bus. Ouais, C'est. Il aurait pu y avoir des morts, c'est gravissime. Et à côté de ça, je suis aussi écuré des incidents dans le parcage, des saluts nazis, des gestes racistes, de tout ça. Et en plus de ces deux choses-là, je suis écœuré des réactions derrière des gens qui ont porté leur clubisme à un second niveau sur les réseaux, et on les a vus dans le chat. À l'instant, pour donner un exemple concret, Sipion a à peine commencé à parler de ouais le caillassage de... Et tu vas parler des fachos là, tout de suite ouais. 7, 8, des dizaines de mecs qui ont envie de se servir de l'un ou de l'autre pour allumer un contre-feu parce que ça les dérange qu'on parle des problèmes qu'ils ont dans leur club. C'est-à-dire que ce soit du côté lyonnais pour parler des soucis qu'il peut y avoir chez les supporters, ou alors du côté marseillais, comme beaucoup on l'a vu, euh, pour qu'on parle euh, de, justement des incidents et du caillassage des bus. C'est pas la première fois, c'est la troisième depuis 2016, trois fois en sept ans, ça fait quasiment une année sur deux depuis sept ans que le bus lyonnais finit en lambeau au moment d'aller au vélodrome ouais, ouais. et derrière on lit toutes les logiques de mais faut y aller en banaliser, mais c'est votre faute mais c'est ci mais c'est ça mais arrêtez de déconner les mecs franchement c'est honteux, allez voir l'image de Fabio Grosso il... on parle d'un champion du monde d'un mec qui ouais. a une importance dans le football qui a déjà Bien joué sûr. à l'OL et en Ligue 1 qui revient entrer depuis un mois dans un contexte difficile et qui maintenant a les yeux enfin l'œil, il récupère son oeil l'image fait le tour du monde, c'est là honte pour le football la français la et à côté les autres images qui font le tour du monde c'est les images du parquage où c'est également la honte et où il va falloir des, euh, des, des, des condamnations et des choses dans les deux il faut identifier les auteurs il faut faire des arrêts il faut les condamner en justice il faut faire tout ça moi je demande même pas de sanctions de club et tout ça machin directement mais à l'intérieur du stade là, là, là. on s'en fout de ça Franchement, je vous tiens la même logique que je vous ai eue pour Clermont-Montpellier, pour bordeaux rodez et pour les autres. J'en ai marre qu'on mette trop la responsabilité sur des clubs, des fois sur des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Mais par contre, quand ils peuvent faire, il faut que ce soit fait. Et maintenant, il faut qu'il y ait des actions qui ressortent de ça, des choses concrètes. Moi, j'espère et j'ai envie que dans une semaine, dix jours, deux semaines, il y ait des mecs euh, qui, soient, qui se font prendre, des enquêtes qui soient menées, des condamnations, des interdictions de stade. Il n'y a que ça qui pourrait m'apaiser un peu après ce qu'il y a vu, parce que franchement, ça met le démon. J'ai les boules. Ouais, et j'ai les boules de, de, des actions, j'ai les boules des réactions. J'ai les boules des gens qui essayent de hiérarchiser, hiérarchiser la chose. Ouais, non, les actes racistes, c'est plus grave que oui, les boules oui. de pétanque dans la tronche. Non, les boules de pétanque, c'est plus grave. Et ainsi de suite. Juste, sans aucune logique. Juste par clubisme, tu vois. Juste par mon petit club. Je veux pas qu'on parle des choses qui dérangent. Regarde, non, parler aussi de ça, euh, ça fait pitié. Et tu te retrouves dans une situation où dès que tu veux parler de l'un, on te met le couteau. Et, et l'autre, là, attention, t'en as bien parlé. Oh, t'as parlé 30% ouais, de l'autre et 70% ouais. de l'autre. Attention, tu le fais pas bien. Vraiment, l'état des débats, l'état des avis, l'état des gens, c'est terrible. Tu, faut on ne prend pas parti. On condamne les deux pleinement. Les actions dans le parquage, les agressions sur un bus, les agressions sur l'entraîneur, sur le bus des joueurs, c'était honteux. Les images qu'on a vues étaient honteuses. Mmh. Quand bien même c'était pas dans le vel ou à 100 mètres, quand bien même c'était que dans le parcage. c'était honteux de A à Z et on espère qu'il y ait des actions concrètes, que les virages lyonnais soient assainis et que également les virages marseillais règlent ce problème de violence parce que c'est pas la première fois que ça arrive ça euh, quand euh, on va chez eux, d'accord C'est pas la première fois qu'il y a ce souci là et c'est un souci qui derrière se retranscrit également à leur échelle personnelle bah, dans leur club à eux même dans le club interne. à eux et, déjà et, la qui merde, ont, en et qui à limite par moment euh, je vais pas le parallèle à 100% mais mené au départ de Marcelino et à Consort et eu des soucis même sur d'autres matchs et tout ça machin sans dire qu'à chaque fois ça vient d'eux. Hein, je sais que aussi quand il y a des déplacements en Europe les mecs ils aiment bien aussi venir se frotter donc je leur mets même pas la faute à 100%. Mm. Mais ils ont aussi ce problème. -là, voilà. Donc, tout autant que les Lyonnais, on doit faire notre autocritique, les Marseillais, vous devez faire votre autocritique sur ça, et il doit y avoir un, 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 une résolution de fond des situations concrètes, au-delà de simplement euh, condamner, tu vois. Et au bout d'un moment, moi aussi, j'aimerais qu'on mette euh, les gens face à leur pleine responsabilité, aussi par rapport à ce qu'ils peuvent faire, d'accord euh, Nous on a euh, un pouvoir jusque-là en tant que supporter c'est-à-dire on peut s'indigner on peut dire c'est pas bien voilà donc euh, nous les lyonnais on peut dire c'est pas bien ce qui se passe dans notre AV, on le regrette on peut avoir le seul les marseillais ils peuvent dire on condamne machanana et puis maintenant faut que les gens qui ont un pouvoir concret, les clubs, les instances, la justice, ceux qui peuvent faire bouger vraiment les choses, eh ben maintenant, se saisissent et fassent des trucs de concret, au lieu de s'entre-attaquer entre nous. Moi, je trouve que ça, c'est un truc qui fait pitié, parce qu'il y a trop de gens, ils sont là, « Ouais, mais les supporters lyonnais, pourquoi euh, Vous allez pas vous battre contre les mecs qui font des signes racistes ?» Mais les mecs qui font des signes racistes, c'est des groupes, ils sont organisés, ils sont plusieurs dizaines, euh, ils sont pas nombreux, mais crois-moi que... Tu peux rien faire quand t'arrives, t'es tout seul, vous êtes deux ou ouais, trois. Ouais, tu ouais, peux ouais, rien faire ouais. à échelle individuelle, c'est ridicule. Par contre, on peut mettre le club face à sa respons responsabilité, on peut mettre la justice, on peut mettre les gens qui peuvent faire quelque chose. Et de la même manière que moi, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un élan marseillais qui va arrêter le groupe de 50, 100, je m'en fous combien ils étaient, et qui attaque les bus. C'est ridicule. On se prend la tête entre nous, entre des personnes qui n'ont pas de pouvoir, sans se dire pourquoi vous faites rien. Et à côté, les gens qui peuvent faire quelque chose, chill. On leur dit rien, ouais, ouais. 80% du débat est accaparé entre des gens qui peuvent rien faire. C'est chaud, tu vois. Donc j'aimerais bien qu'on ressente le truc, qu'on arrête de prendre parti, qu'on arrête d'essayer de dire c'est plus grave. J'ai vu des gens sur Twitter dire « Oh, moi je préfère être largement du côté des gens qui lancent des boules de pétanque. Oh, mmh. moi je préfère être largement ouais. du côté... » C'est des lâches. C'est des lâches dans tous les sens. Et moi, je ne prends ouais, pas parti avec des lâches. C'est de des gens aussi, qui doivent prendre existe, cher hein. et, et c'est tout, en fait. Et qu'on qu arrête de hiérarchiser, d'être là, de machin, de trucs, c'est nul. Ouais, c'est simple, hein. c'est l'escalade. Hein. C'est bien que voilà, C'est très énervant. Je suis non, désolé. mais tu as eu non, raison. En fait, il fallait dire les choses et c'est sûr que c'est toi qui pouvais le mieux le dire. Donc merci en tout cas pour ça. Bon, après, on sait très bien que ces sujets-là, c'est toujours des sujets super sensibles. Voilà, à tout moment, ça peut être mal interprété, mal compris et, et voilà euh, en tout cas les choses sont dites et, et vous avez euh, l'avis de tout le monde sur le, sur le plateau ici. Bon bah revenons à un peu de foot quand même hein, malheureusement et on espère que, que ça se passera mieux quand même on va parler de la victoire du, du PSG euh, Bruce quand même cette victoire un peu euh, un peu, un peu l'arrachée ah oui. euh, après cette belle victoire face bah, à Milan aussi je voulais pas trop te mettre en porte info sur, sur ça mais euh, victoire du, du, du PSG qui en ce moment bah, quand même arrive à se remettre euh, à l'endroit j'ai envie de dire Ouais, alors là, la deuxième mi-temps était quand même effrayante parce que la deuxième mi-temps, c'est plus Brest qui aurait pu ou peut-être dû gagner 3-2. Sincèrement, en deuxième mi-temps, hors Paris, tu crois qu'ils ont fait le plus dur en menant 2-0. Il y a le but de Zéry Emery qui est magnifique. Voilà, ils arrivent à faire la différence. Il y a le but d'Mbappé, sa spéciale hein, qu'on connaît toutes les semaines. Et là, tu te dis que bon, le PSG a pris le match comme il fallait et qu'ils ont déjà plié ça parce qu'à 2-0, ça va être compliqué, même si on sait que Brest fait un bon début de saison. Et au final, bah, tu as Brest qui continue à y jouer et ils croient, ils avaient déjà des opportunités en première mi-temps. Il y avait deux, trois trucs. Il y avait des coups à jouer ou parfois, dans les derniers mètres, justement, c'est eux qui jouaient pas très bien et ça finit par payer. Donc, ce but qui, qui leur fait du bien. Puis, ils arrivent à égaliser en seconde et derrière, ils prennent l'ascendant et Paris est mal, je trouve. Ils ont moins le, la maîtrise du ballon. Brest prend totalement confiance et c'est eux qui qui contrôlent un peu le match, mais bah, ils n'arrivent pas à mettre ce, ce troisième but, et puis bah, tu as, as ce but du, du PSG, ce penalty et voilà. Mais en tout cas, c'était un PSG ouais, euh, inquiétant en deuxième, j'ai trouvé. Ouais, inquiétant. Enfin, C'est pas ouais. normal de perdre le fil comme ça, surtout quand tu es censé prendre le match facile en menant de 0, quoi ça que je veux dire. Il y a eu un, clairement un manque de maîtrise et aussi peut-être et tout simplement la faute à Brest qui pour le coup euh, a fait son match. Ouais. tu m'as dit que c'est ce match-là que tu as vu Zach, oui. toi. Ouais, tu voulais, tu voulais en parler un petit peu Bah ouais, quand on discute un petit peu de soucis défensifs qui peut y avoir à Paris, bah je trouve que ce match l'illustre bien, surtout sur des centres, euh, des choses comme ça euh... dans le domaine aérien, Paris a un vrai problème. Dans le domaine ça, aérien, il y a un vrai compliqué. compliqué. Dans, dans ouais. le domaine aérien, il y a un vrai souci ouais. Et... Ouais. et les buts viennent essentiellement de ça et je trouve qu'on l'a revu euh, encore une fois là. Et, et voilà donc après j'ai quand même trouvé un match intéressant de la part de plusieurs composantes à Paris j'ai bien aimé euh, Lee Kangin euh, le but de Zaire Emery est magnifique Mbappé aussi euh, l'extérieur de, de Kangin Lee pour le ah, est, est vraiment ouais. très joli etc mais euh, ouais c'est un PSG très imparfait et ouais. je trouve que quand tu prends euh, plein de matchs ici et là leurs défauts ressortent que ce soit dans l'animation offensive que ce soit par moment au milieu peut-être un peu moins que ce soit en défense aussi et donc du coup quand tu euh, les presses aussi quand tu les presses etc donc ça va être intéressant de voir comment ça ça va être on va dire en, entre guillemets corrigé. Et pourtant, tu vois, par exemple, même à Fabian Ruiz, je trouve pas qu'il ait fait un match particulièrement mauvais. Tu vois, mmh. Mais les Brestois, au courage, en y croyant et en jouant avec leurs armes, et surtout en exploitant la faiblesse mmh. dans les airs, ont réussi à revenir enfin le 2-1 de Steve Mounier l'égalisation après sur le corner très très joli et ça aurait pu être mieux après bon c'est dommage parce que en fait ce que j'allais dire sur les deux, deux matchs que j'ai voulu voir en Ligue 1-2 était frappé du saut de la polémique inutile fait ouais, ouais. Euh, ah, encore. oui. ça ça, non, ça fait toute une histoire vous avez vu c'est pour, pour, pour ça que je, vous en, je vous en parle même pas je trouvais cas. ça inintéressant à oui, souhait complètement, complètement. mais euh, pour le reste franchement aller à Brest et gagner c'est toujours compliqué donc ça reste une victoire qui fait du bien même si voilà le penalty, il y a pénalty tous les jours, mais le, le côté cruel du fait que le gardien l'arrête, la 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 <laughs> ouais. ouais, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Euh, a... Poinot me dit la réaction d'Mbappé c'est 200 000 vues sur TikTok. <laughs> tu vois le mec qui est là pour maltraiter. <laughs> Il est complètement maltraité. Bon passons à, Li à Lille Monaco. Euh, pipion parce que ça aussi c'est un match assez important avec un Lille qui finalement réussit à faire chuter Monaco. Monaco qui était quand même une équipe euh, bah, en place hein, ouais. ces, ces, ces derniers temps. Il y a eu cette mini frayeur face à face à Metz avec ce but de fou dont on a dont on a beaucoup parlé. Mais là le qui a fait un vrai match assez assez sérieux contre ces Monégasques. Ouais. Ouais, c'était le match que j'attendais le plus de cette ouais, journée parce es que, que dans le choc, choc tableau ouais, exactement et je trouve que Fonseca remportait vraiment euh, la bataille tactique en imposant ses idées notamment bah, mettre David sur le banc alors oui évidemment il, y a, un, il a un trou d'air en termes d'efficacité de, de stats mais c'est quand même le buteur euh, clé du LOSC depuis euh, deux ans et demi donc il euh, fallait quand même euh, oser et ça a bien marché je crois que c'était vraiment très très bien animé euh, côté Monaco euh, ça commence à sentir qu'il y a beaucoup beaucoup de manque derrière que ouais. défensivement avec euh, Zakaria uh, Singo Matima enfin en, en bricolant beaucoup Beaucoup. Euh, tu commences un petit peu à tirer sur les forces et je pense qu'ils ont quand même besoin d'un renfort ou du moment. Je ne sais pas quand est-ce que Salissou va, va arriver, mais euh, ça commence à, à faire un, un bon moment pour sa blessure. Après, bah, j'ai beaucoup aimé bah, le match de Zegrova. Ça fait partie des joueurs un peu frissons de la Ligue 1, assez irréguliers Mais là, ça fait un petit moment qu'il enchaîne bien. Et j'ai envie de voir ça justement, un Zegrova qui peut donner au Losc euh, la pleine mesure de son talent sur euh, toute une saison. On l'a trop rarement vu. Il y a aussi, tu vois, Ounas qui est un petit peu dans le même genre, qui peut faire un match sur quatre parce que blessé et tout. Bah, C'est frustrant. On reste, on reste ouais, ouais. sur notre fin. Et là, le match de Zegrova je crois qu'il était vraiment très très comblé C'est un pied son début de saison au global. Hein. Ah, mais très, très bien. Il a réglé la mire par rapport à l'an dernier C'est un pied gauche qui est soyeux en plus, bah, tu quand il arrive en Ligue 1. Il avait cette tendance à beaucoup s'appuyer sur son fameux crochet intérieur, rentré, tiré. Il faisait beaucoup ça et tous les défenseurs compris comment le canaliser. la Bertrand Traoré voilà exactement j'aurais dit la Roben mais non peut-être en la Bertrand Traoré c'est exactement ça toujours dans la même dimension mais il y a beaucoup de joueurs dans ce losc là qui font du bien je pense à Ben Taleb qui a une super pioche je pense à Lenni Yoro qui a un 2005 qui prend à pleine mesure et là où le losc l'an dernier avait des soucis d'efficacité défensif aussi offensif mais surtout je crois défensif ou sur un temps faible ils encaissaient systématiquement de buts là ça fait quatre matchs à où ils en ont pris qu'un et c'est vraiment hyper solide c'est consistant et pourtant bah tu vois il y a qui est parti, il y a un titi qui est un petit peu blessé, Diallo qui ouais. euh, pareil, qui est, euh, revient euh, d'une longue blessure. Donc euh, voilà, tu vois, y y, c'est une défense qui n'est pas, on va dire, euh, mais là, tu vois, Ismaïli Ismaili, Yoro, ouais, c'est ce les... super solide, franchement, c'est vraiment Diakite, très très, 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 bon. très bon en vrai. Ah, ah, les Ni-Euro de... deuxième année, Diakité qui ouais. revient euh, ouais. de Toulouse, donc il découvre, enfin, il vient il découvre pas le haut niveau, mais il, est, oui. il reste très jeune, tu vois. Ouais. Et en même temps, elle monte en expérience, tu vois, et ouais. ça se voit cette année. mais vraiment une belle équipe bulosque, en plus, tu vois, que tu pars de revenant, mais Yaziche, tu vois qu'on est totalement zappé. Finalement, sur ce qu'ils réussir à faire sur le terrain, je trouve ça vraiment euh, bah, euh, une bonne trouvaille. Je trouve toujours qu'il va leur manquer peut-être un peu de maîtrise technique avec le départ d'André Gomez qui leur fait un peu de mal, tu vois, ouais. euh, pour conserver le ballon, pour orienter le jeu. Mais là, je trouve qu'honnêtement, ils ont trouvé un, un système qui leur réussit bien. Le, le loss contre les blocs hauts, contre ce type d'équipe, ils vont leur faire mal systématiquement. C'est le loss contre les petites équipes blocs bas. Ils vont peut-être avoir un petit peu plus de mal à les faire sortir et tout. Ok, ok. Bon, bah ça, c'était un, un bon petit résumé de, de ce match-là. Bruce, toi, tout à l'heure, dans tes coups de cœur, tu avais parlé d'accord Adams. Euh, victoire 3-0 de, de, de Montpellier. Ouais. Qu'est-ce qui t'a qu plu Bah Montpellier qui devait se reprendre parce qu'ils avaient perdu contre Nantes la dernière fois. Ils n'avaient pas fait un très bon match. Et lui, ça, il a quoi 7 buts, non 7 buts. 7 buts, c'est quand même pas assez mal, ouf. Le contrôle qu'il fait, l'enchaînement. Le petit extérieur et tout, ouais, c'est pas mal. Franchement, c est, c est quand même assez fou. Donc euh, voilà, il fait énormément de bien à Montpellier. Il est parti pour faire une très grosse saison en marquant beaucoup de buts. Donc euh, donc voilà, c'est surtout ça, c'est que c'est assez surprenant. C'est vrai qu'il y a eu des recrues, il y a eu des très bons coups de fait au mercato par Montpellier aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est une équipe. Euh je trouve qu'il y a quelque chose de spécial, tu vois, il y a des joueurs qui vraiment me donnent envie de les suivre un peu plus, etc., même si des fois, bah, ils peuvent passer à côté de certains matchs, mais sur la durée, quand même, il y a des trucs sympas à voir, je trouve, avec cette équipe. Ouais. et, et pourtant, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais la semaine n'a pas été simple. Il hein. y a eu quand ouais. même, là aussi, une, une affaire piquante avec euh, Sacco, Zach ouais. le match de, match de Clermont, le match de Clermont, ouais. euh, le je veux mauvais dire... match contre Nantes, ouais, bon, si et, et là, tu as quand même une belle réaction t'as ah l'impression quoi comme ouais. quelqu'un dit sur le chat c'est tout ou rien Montpellier peuvent te faire un ouais. vrai bon match et des fois non mais tu, tu regardes tu regardes leur résultat c'est vraiment super en denti quoi André Gomes pour revenir vite fait sur ça incompréhensible je viens de voir qu'est-ce qu'il fait là genre en mode il est où cette saison parce qu'il était très fort l'an dernier Une deuxième partie saison qui est incroyable il est à Everton ouais. sur le banc premier match plus dans l'effectif zéro minute il n'existe plus mais André Gomes mais <laughs> An <laughs> André il avait pas des problèmes psychologiques ça disait mais... J'avais cru voir passer des trucs où il était un peu instable à ce niveau-là. En gros, soit il est en confiance, ça, ça il est bien, fait du bien et ça va, soit il soit... J'avais vu passer des trucs. Le chat peut-être confirme euh, Ou pas, mais... mais ça a rien à voir avec l'énorme blessure qu'il avait eu là. Psychologiquement, hein. j'avais vu passer un truc sur lui comme quoi. Il... Sais, ça pouvait être délicat, mais hum. peut-être je me trompe. Attends, qu'est-ce qui se passe Ah, Colomouani. 28ème ouais. du Ballon d'Or ok c'est euh... un, un, un débat là-dessus <laughs> ouais franchement euh, <rire> euh, <rire> pas mérité <laughs> hey, Dias Dia, 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 il est 30ème Pardon, pour pas en fait. mérité. J'aurais mis plutôt... Euh, hein ouais. voilà. <laughs> Franchement, euh, voilà, c'est bizarre. Je, je trouve qu'il y a un souci euh, ouais, dans la ouais. place de, de la 28e place. Je... On parle de Coupe du Monde, Coupe du euh, Monde, finalement. C'était euh... mieux il y a trois ans, la 28e place, quand c'était... Euh... <laughs> Mertens What Ouais. Non, c'était... <laughs> J'avoue, il y en a il a dit sur le chat, c'était le sixième du classement de Braque. Non, taxi, mais, non mais non. Mais non, mais bah, Grosse saison en Bundes, euh, bonne finale. Il a failli nous faire gagner, ça tient à euh, ça. Vraiment, hein, franchement, il pétait les pénaltys, c'était deuxième. Hein. <laughs> il marquait la dernière minute, c'était deuxième. J'aurais jamais dû lancer ça euh, pour nous. Mais tu sais, à chaque semaine, maintenant, tu nous sors un truc. Non, bah. non, mais ça va, je, 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 je donne ma sensibilité, vous le savez, je suis un nounours, moi. Euh, messieurs, euh, parlons maintenant euh, du Stade Rennes pour lequel ça ça toujours ça n'avance toujours pas j'ai pas vu ce match mais non non euh, Rennes, encore je, je sais suis, que je sais que Pipion suit cette équipe de près donc à chaque putain, fois je me tourne vers Pipion Rennes, Rennes, <laughs> Rennes qu'est-ce qu'ils qu ont fait 150 nuls pourquoi déjà cette année. pourquoi ils galèrent comme ça pourquoi ils bloquent alors qu'ils ont quand même Je bah, je dis pas qu'ils ont ce qu'il faut tout ce qu'il faut mais pourquoi ils bloquent non je pense que la, la recette Genesio marche plus d'accord je pense que typiquement là on est sur un moment de coach parce que les joueurs sont en place tu vois les trois milieux tu vois Bourigeau, Matic, Doué tu vois euh, Blas, Kalimundo euh, Guiri face au Vira Ball, le Strasbourg qui est vraiment à la ramasse depuis ah un match complet. Euh, je n'ai pas compris. Mais en plus, ils ouvrent le score sans être vraiment étincelants. En vrai, euh, Rennes, c'est terrible. Ouais, deux victoires euh, en dix matchs, beaucoup, beaucoup de match nul où c'est vraiment très pauvre dans le jeu, il n'y a pas de progression. Là, en plus, ils vont entamer un gros calendrier. Entre guillemets, ce qui est bien, c'est qu'ils réussissent à exister en Europe. Et c'est là où, si moi j'attends euh, le stade rennais, c'est d'être performant enfin en Europa League, d'aller chercher, tu vois, un quart, pourquoi pas une demi, d'être un club sur qui on compte en Coupe d'Europe. Là, ils sont à deux victoires en trois matchs. En vrai, ils font le taf. Ça, pour le coup, c'est bien. Mais en championnat, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Alors, euh, là, je n'ai même pas envie de dire. Évidemment, il y a encore la, la jeunesse en défense, tout ça, euh, Bélocian, Omaré, etc. Mais là, sur le match, c'est vraiment la production, c'est qu'on bah, n'y arrive plus, il n'y a plus le, tu vois, le, le, le stade rennais pétillant qu'on aimait sur euh, la saison dernière, la première partie de saison. Là, il y, y a quelque chose qui a totalement disparu. Je, je pense que pour moi, ça vient du coach. Il y a un truc qui s'est cassé, ouais, ouais, je, je oh, pense à oh, ça. Comme, ouais. comme si le message passait plus, comme si les joueurs euh, n'avaient plus de réception, quoi. Et je te dis, ils ont trop tout mis sur il euh, n'y a plus terrier, il n'y a plus terrier. Euh, ça a eu un impact, c'est sûr, c'était leur meilleur joueur et il était trop fort. Mais ils se sont trop reposés que sur ça. Mmh. Que sur l'oeil, il, ter... il y a eu deux mercato depuis que Terry s'est blessé. Il y a eu des moyens à des moments de faire mieux et de construire mieux sur une période de temps quand même suffisamment pour le faire. Moi, je trouve leur effectif mal construit. Je trouve leur mercato de cet été décevant et on en discutait déjà pas mal. Mmh. Et, et c'est dommage après que ça ait très bien commencé. Et donc j'ai pas regardé ce match, donc je ne non, non, a pas... pas spécialement ouais. sur ce match. Ouais. Mais Rennes au global, c'est vrai qu'au regard de, des possibilités, des ouais, moyens, et donc, ça et... leur a fait peut-être très dommage. mal aussi au final. Très hein. dommage. Mmh. Euh, C'était quoi le match que tu avais vu, Zach euh, toi, Le Lance-Nantes. Lance Lance Nantes. <laughs> bah, voilà, justement, parfait la, la rencontre. Euh, Lance-Nantes, victoire 4-0 de, ouais. de Lance, euh, Bruce. Euh, il, il me semble, vous, vous avez quand même résisté sur la première mi La première vous... mi-temps, même... Nantes, la première est pas, moment, est pas mal, hein, un peu au-dessus de Lance, ouais, c'est juste dans les derniers mains. ça tourne Il se trompe, tu concèdes un péno complètement con, donc euh, voilà, tu prends ce but, tu le donnes, clairement, on va pas se mentir, mais tu fais une première mi-temps qui est plutôt bonne dans la continuité de ce qu'on voit à Nantes ces derniers temps, puis après la deuxième mi-temps, bah. T'as le deuxième but et c'est le rideau derrière. C'est le rideau derrière. Donc euh, voilà. Et t'as eu un lance qui a été plutôt réaliste. Et voilà, Nantes, je pense qu'a baissé Pavillon à un moment donné. Voilà, c'est comme ça, ça arrive. Mais honnêtement. Au vu de la première mi-temps et de ce qu'ils ont fait, tu vois je vois ça plus comme un accident. On verra. Non, sur mais les sur, surtout les que tu es espénales. sur une bonne série. Il oui, n'y a, a, a rien dans les de... cinq derniers oui. matchs avant celui-là. Il n'y a, y a voilà. absolument pas le, le, bon, le feu au lac pour l'instant. Et si, voilà, Lance qui n'a pas toujours été réaliste cette saison, il faut que ça tombe contenant. <laughs> et là, pour le coup, ils ont été réalistes ces <laughs> fumiers. Et, et Lens qui gagne 4 places euh, au, au classement. Euh, ça <laughs> leur Zach, fait du bien. Ouais, t as t as fait du bien et en plus, les ils sont toujours là. Ils avaient fait un match décevant de reprise de trêve internationale au Havre la semaine dernière avec un 0-0 on était très peu dangereux. Mm. – et en étant vraiment assez décevant, là, ils ont réussi face au PSV à Eindhoven de quand même se sortir un nul et enchaîner avec une victoire en Ligue 1 qui leur fait du bien. Ils ont besoin de pouvoir enchaîner en Ligue 1. Et un bon match comme ça sur une semaine où t'es double gala à domicile, tu vois, avec un peu de lot de réussite, mais ou ouais, avec certains joueurs qui ressortent, Facundo enfin, Medina fait un ouais. très bon match. En ce excellent. moment, il est super en forme, là, il, ouais, est il est super chaud cool, en excellent, vraiment, il ouais, n'y a rien ouais, à, à dire. Ouais, euh, ça, enfin, ça c'est bien. et propre. S'il y a bien un truc sur lequel euh, le directeur de lance a bien fait, c'est OK, on va avoir des joueurs importants qui vont partir, au, Penda, au Fofana, au mais on sauvegarde un truc qui a fonctionné chez nous c'est le dépend. goal et la ligne défensive mmh. et sur ça ils ont <laughs> fait tu sais ils ont identifié ok on, on les lance c'est obligatoire qu'il va y avoir des gros qui vont partir ouais. mais ils ont dit ok on, on autorise sur ce secteur ce secteur et on va devoir reconstruire euh, et par exemple il y a des arrivées qui pour l'instant ont un peu de mal on dit Diouf notamment oui, oui, oui. mais la ligne défensive ils l'ont sacralisé et forcé de constater que ça leur va très très bien, Medina est très très bon. Euh, L'un des meilleurs, euh, peut-être argentins de Ligue 1. Ouais. <laughs> j'ai <j> voulu <laughs> le dire. Et, euh... Fais attention, hein, quand tu vrai. parles d'argentin en Ligue 1, ah, j'ai voulu, voulu plus là. C'était pour, oui, oui, bon. pour le clin d'œil. Okay. Okay. Et, euh, et sorti de ça, non, une bonne production sur ce match-là, un peu de réussite, mais des buts qui font du bien. Et au global, franchement, un match qui dans le jeu ressemble plus à ce que les Lensois sont habitués de faire, et surtout face à une équipe de Nantes qui a essayé de jouer un peu et ça 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 dès qu'une équipe va essayer de jouer un peu contre lance, je pense que c'est à chaque fois qu'on là on pourra revoir des glimpses de lance de l'an dernier et que dès qu'une équipe viendra pour faire le match typique petite contre grosse équipe, c'est peut-être là où tu verras plus de difficultés à désarçonner même si ça ne les empêchera pas de temps temps mettre une volée hein. il ne suffit, non, mais de, ils, il suffit ils, pas d'être à derrière pour les faire déjouer ils, ils, mets, ils ont le jeu hein. ils lancent à le jeu pour, pour déverrouiller euh, n'importe qui après c'est vrai que oui c'est sûr ça peut, ça peut être un peu, un peu plus dur mais en tout cas ils sont, ils sont euh, sur la bonne voie les, 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 les Lensois euh, Messieurs je pense qu'on a fait le tour les prochaines affiches très rapidement euh, vendredi du coup PSG Montpellier voilà, un, match, un match assez, mm -hmm. assez intéressant euh, samedi un choc entre Marseille et Lille dimanche Lyon est censé affronter Metz Putain, mmh. domicile, nice Anne. Nantes Nantrin, Nantes, ça, ça va être un match aussi assez compliqué dans le, dans le multiplex euh, Bruce. 17h Monaco, Paris, un euh, Brest. Bon match. Ça va être un bon match. Et Nice-Rennes, pour terminer, Ni la prochaine Ni journée Ni Nice-Leader, Invaincu, euh, bon, quoi. Invaincu. Mais oui, c'est vrai, qu'on n'a pas parlé non, de nice C'est enfin, un peu. leader, enfin, ils sont à leur place, mais c'est un peu à l'image de la tu vois. C'est un leader qui est efficace, mais qui n'est pas encore très, très beau. Mais je trouve que Farioli, euh, son gros mérite, c'est d'avoir remis des joueurs à l'endroit. Genre Melvin Bard, c'est une mmh. de ses je meilleures versions. Boulka. Voilà, le choix ouais, fort, Schmeichel, voilà. Boulka, Schmeichel, allez, hop, on s'en va. Boulka, tu t'installes, Todibo, excellent, Boudaoui qui revient vraiment bien en ce moment. a toujours un petit peu souci, c'est là où tu dis qu'il y a encore une belle marge de progression, c'est sur la entre... Boga entre Mofi, entre Laborde, entre Diop qui va revenir blessure, Guessant qui est plutôt intéressant en sortie de banc il manque a deux buts cette saison de Et il manque encore tu vois de la continuité enfin il n'y a pas un Mofi aussi impressionnant que l'an dernier, son meilleur match c'était au Parc mais sinon c'est un peu Mais tu sais que ça va venir tu sais à un moment et tu sens que ça peut être complémentaire avec les profils qu'ils ont devant Mais cette équipe je pense que là elle est partie pour nous faire un run, elle va être chante jusqu'au bout. De toute façon, je sais pas pour vous mais même mon gars Raphaël Cosmidis il en parlait mais la Ligue 1 de cette année, je la trouve comment ça bah moins bonne que la bah, Ligue t'as du mal un petit peu ah oui oui il bah, les... n'y bah, a qu'à voir le classement de toute façon en fait oui. regarde factuellement t'as énormément de gros qui ont des difficultés et qui ont dépassent pas ouf Rennes Lens Marseille je vais mettre Paris aussi hein, par, par moment Paris hein. a eu également son lot aussi. de on off ouais. même si ouais. voilà ça revient il y a eu son lot également euh, Monaco est bon mais Monaco a aussi des défauts, je crois que Monaco, et il le disait sur la stat, parce que j'avais regardé quand même un petit peu le multi, j'ai gardé une oreille dessus. Je crois qu'ils encaissent pour la première fois sur leurs cinq ou six derniers matchs. Un truc comme ça. C'était une statistique sur le fait que défensivement ils avaient encaissé vraiment beaucoup de buts. Donc Monaco n'est pas impérial non plus. T'as quelques surprises ici et là qui sont assez hautes, Brest, Reims, non en tout cas tu vois. Mais parmi les gros, alors sans parler de Lyon qui est dans le fin fond mais... cadavre, mais je ne considère <laughs> même plus comme un gros à l'heure actuelle. Mais euh, ce que j'essaye de dire, c'est que à l'heure actuelle, je trouve le niveau de la Ligue 1 cette année un ton en dessous des certaines non, des dernières éditions qu'on a et connues. Vrai. Et regardé beaucoup de matchs en cette en saison, Ligue 1, je trouve ça décevant. Moi j'irais plus loin. Moi je trouve oui, oui, en oui, général oui. le foot, si tu prends, c'est pas le cas de tout le monde et toutes les équipes, mais je trouve qu'en général, cette, ce début de saison, il est moins ouf moi. Mmh. Moi je trouve de manière générale. Hum, il y, a, y a eu beaucoup de débats là sur Twitter euh, sur la, une forme de, de, de lassitude hein, par rapport au foot. Voilà, on a accès à tous les matchs, mais finalement, c'est vrai que le niveau a régressé et tout. Et euh, on, on se pose des questions. Et euh, c'est vrai que bah, ce début de saison, il n'est pas, pas incroyable. Je pense qu'il va vraiment falloir attendre bah, le printemps que ça se décante et tout. Parce que oui, là, on s'en est fait un Moi, ce que j'ai dit, c'est que. Euh, on est des, des, des malades mentaux enfin tu vois regarder si oui, oui, oui. cette match ouais. euh, chaque jour et tout enfin le week-end à se bourrer la gueule moi je t'avoue que là euh, ce week-end j'ai ressenti une petite forme de fatigue ouais, vas-y va commencer à zapper un petit peu euh, mais là <laughs> bon, bon, ça, faisait, ça faisait longtemps j'attends d'être à l'international pour souffler quoi parce que je trouve ouais il euh, y a beaucoup d'équipes qui euh, il manque beaucoup beaucoup de choses. Il y a évidemment quelques bonnes surprises. Hein. On en parle souvent. Euh, Tottenham, euh, Leverkusen, Gérone euh, en Liga, tu vois les trucs où ça sort un petit peu du loup Tu vois du jeu, tu vois des nouveautés tactiques. Tu dis ok, ça c'est intéressant. Mais euh, il y a beaucoup de choses qui manquent. Et c'est vrai que bah, la Ligue 1, c'est quand même notre pain quotidien. On regarde ça. Le, le championnat, il est, il est pas ouf. En plus des locomotives qui ont beaucoup de mal à démarrer, il ouais. y, y a beaucoup de choses qui manquent. Ouais. Ouais, je vous propose qu'on qu en fasse peut-être un sujet de la semaine, lundi prochain, et qu'on essaye de, de voir ce qui, ce qui crée euh, euh, cet, cet état de fait, ce qui, ce qui nous donne ce, ce constat-là, bah, que, que c'est un peu moins bien. Peut-être qu'on pourra en reparler euh, à tête un peu plus reposée, avec des arguments euh, peut-être un peu construits. C'est un sujet intéressant. Euh, on va se faire un petit tour d'Europe quand même pour voir ce que vous avez pu voir euh, ce week-end en, en Europe. Et après, bah, tranquillement, on conclura l'émission. C'est parti, tour d'Europe. Comme on a, comme on, on a parlé euh, Espagne et euh, Première League en tout début d'émission, je me suis dit qu'on allait commencer par les autres championnats euh, cette fois-ci. Donc, Bruce, on va parler quand même du choc de la Serie A de, de ce week-end. Naples-Milan, euh, deux partout dans ce, dans ce match-là. Mmh. Euh, et Milan qui n'arrive pas à. À conserver cette avance et à consolider cette, cette victoire Ouais, bah une très bonne première mi-temps pour le coup, avec un doublé de Giroud et ta Reinders, etc. Ils ont même des occasions pour mettre le troisième, enfoncer le clou. Ils sont bien au-dessus de Naples, ils dominent à Naples et franchement, ils, ils doivent plier ça. Et une deuxième mi-temps où bah, un Milan qui subit, qui doute, qui prend un but et qui derrière panique. Quoi. Ouais. Et as toujours autant de blessés, enfin là as encore eu des blessés, et franchement ils ont 8-9 blessés. Ouais. C'est une hécatombe, il n'y a plus grand chose, Tu t'as plus de banc, t'as plus rien. Donc euh, ça commence à être très effrayant au niveau de la confiance et physiquement aussi, parce que bah, euh, tu as trop de blessés. Et puis en plus, bah, c'est dommage que tu pouvais, te... vas-y, je vais pas dire te relancer un peu, mais c'était une semaine compliquée avec la défaite contre la Juve, contre le PSG. Là, ouais. tu gagnais à Naples, c'était je crois un point de l'Inter au niveau championnat. Puis tu te remettes un tout petit peu en confiance et tu mènes 2-0, tout est parti pour et tu arrives à, à te faire rejoindre. En plus de ça, il bah, y a eu les sorties de Giroud et Léao. N'ont pas été comprises par les, par les deux joueurs. Ça part un peu en couille avec Pioli. Enfin, tu sens que le groupe vit pas bien et que la semaine-là, qui était déterminante et décisive, elle a laissé beaucoup de traces. Ouais. Et en sachant qu'en plus a le match du PSG qui arrive bientôt qui est décisif au niveau de la survie Exactement. donc là tu le prépares pas correctement comme j'ai dit au vu des blessés de la dynamique du club tu sens qu'il y a pas mal de problèmes donc ouais très inquiétant quand même et on avait dit qu'on en reparlerait Bruce c'est vrai tu trouves toujours que le milieu de Milan est aussi bon que mais celui bah... du... <laughs> meilleur que celui du PSG bah oui mais bon Zach pensait le contraire mais... hein, non, pour ça je... non, non 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 mais j'ai bien dit parce que c'est pas le milieu du Milan tu vois là c'est pas le milieu titulaire ah mais je sais pas tu as 150 blessés j'ai dit Loftus il a pas joué il est toujours pas de retour Krunic qui revenait de blessure et c'est sûr que si t'as un mec et demi sur trois c'est pas le milieu du Milan. Moi bon, franchement ah, j'étais avec Didier Drogba j'ai vu les 20 dernières minutes seulement donc j'avoue je ouais, parle mais ça a été nul. Mais ça c'est pas, pas le milieu du Milan. Moi je te parle t'ai dit dès le début. Ah le, le vrai, milieu, vrai le milieu, milieu le milieu euh, loftus Tuchek et le qu'il qui avait en début de saison là ça a été un peu mieux sur celui-là mais il revenait de blessure mais c'est surtout loftus Tuchek et Rinders c'est des vrais bons joueurs ils, un, ils font un vrai début de saison maintenant. Quand tu s'il y a personne qui est là personne n'est là. Non, non, parce que c'est vrai qu'après on peut, on peut penser que voilà. Je maintiens ce que je dis. c'est On peut penser que tu dis un truc et que du coup c'est pas confirmé, alors qu'en fait ils étaient juste pas là. C'est ce que j'avais dit. alors Tuchet est là, mais il est toujours pas revenu. On a oublié Ça se joue à Love Tuchet. Mais vraiment. Mais moi je te le dis vraiment, vraiment, vraiment. Je te mange. Non, non, c'est comme si t'enlèves Emery au PSG, t'enlèves un des milieux. Bah on espère même. On espère te revoir. Ils ont enlevé un milieu contre Newcastle, ils ont pris. Je rigole, rigole. Non, mais on espère pouvoir voir les deux milieux justement se faire passer. Je pense qu'il sera là contre Paris mais il sera peut-être un peu court parce qu'il n'a pas joué ces derniers temps. C'est le seul truc qui me fait peur. S'il est là et pas trop mal, tu verras que le milieu de terrain, ça n'aura rien à voir avec ce qu'il y avait eu au premier match. Quelqu'un a regardé inter dire Non, non, non. J'ai vu le but de Turin. Justement, pareil. J'ai vu que le but. donc je J'ai vu Chelsea. T'as vu Chelsea Alors, attends, on, on en parlera après de la première le ligue, Chelsea. Je te lancerai sur, sur Chelsea. Tranquillement. Nouvelle défaite de Chelsea en plus, d'ailleurs. Pas terrible. de chance parce que j'ai voulu être gentil un peu avec eux. Ouais, bon. On va, on va en parler euh, tout à l'heure. Le euh, troisième club à poignot, c'est Chelsea, hein, on le tient à le de souligner. Deux choses, c'est vrai. Deux choses. Euh, et Chelsea, le pauvre. En, en, en Allemagne, Bruce. Deux choses euh, oh, assez, assez folles qui se sont passées, bien sûr. Le 8-0 du Bayern contre Darmstadt. Ah. Et puis on. Bon, là, pour le coup, euh, qu'est-ce que tu veux faire trois, trois cartons rouges sur la première période ouais. et une deuxième période où là, ça a été euh, euh, là, là c'était c'était festival, quoi. Ah c'était la, la kermesse. Là, la musique du French Cancan -Can, <laughs> euh, avec euh, <rire> qui <laughs> hurle là On entendu en boucle. En plus, un Kane qui, là. En, qui <laughs> envoie le truc ah, de 55 mètres. Ah, ouais. Ouais. Non, non, là, c'était. C'était un ça match Bundesliga comme on, ouais. comme on l'est. Bah ouais, putain 8-0 en une mi-temps. J'ai J'ai regardé un peu le début du match avec Bayern et stade, je me suis dit oh la merde. Ensuite, j'ai vu la faute du joueur de Darmstadt ouais. Donc je me suis dit 10 contre 10, ça a été funky. Ouais. Et, et, là, jamais... et, là, et là je sais plus pourquoi c'est que une mi-temps, c'est jamais arrivé. Je sais pas. Hein. 8 buts en un match. J'ai arrêté de switcher parce que c'était le classico. Je crois que c'était Pendant le classico. Ah c'est vrai, 8 buts à une mi-temps. Ah le Bayern rouge deuxième mi-temps. Oui, c'était oui. C'est exactement ça. Bah, parfois, les matchs se, se superposent. Et bravo, euh, j'avoue, comme le dit au graphiste, hein, qui a réussi à caler ah, quand okay. même le nom ouais. des, 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 des buteurs. Hein. Ouais, bon, ça euh, va. Bon, c'est assez <laughs> drôle. C'est ça, <a rire> ah, ça qu'il l'a ah, mais Bravo, il a réussi à, <laughs> à caler le <Non, rire> nom des buteurs. Euh, il il a, aime pas il a, la finesse. Fin, il a <laughs> écrit, non, il, bien, il a fait ça, ça c'est bien. Ça va. Il est dans ses chaussures Non, mais Non, je rigole. Non, mais c'est pour la malaise. Désolé, il manque les cartons rouges. Ils y sont. Ils sont. À côté des. Non, les cartons rouges mais, ah, non, les, mecs, non. les mecs qui ont pris les, les cartons rouges, rouges. Non, ah, les mecs putain. qui les ont pris les noms ah putain ah, euh... j'ai pas les noms hein, c'est des Donc, mecs moi, de Darmstadt et on a et, pas euh... les XG aussi hein. et, 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 et Kimmich <laughs> t'es relou t'es déçu bon en tout cas voilà victoire euh, victoire de, ouais. de Gala du Bayern je, je sais pas si on peut en, en, en tirer quelques enseignements que ce soit parlons aussi quand même de la, de la victoire de, de l'Everkusen hein, qui, euh, qui le tient le choc le but de Florian Wirtz. et de ce fameux but pardon ce fameux but de Florian zidane Wirtz. un but incroyable Hein. Ouais, il y force... avait tout dans ce but. Non, il, y avait, il y avait tout, et on rappelle que ce joueur est revenu des croisés. Alors, certes, il est revenu en, en février euh, l'an passé, mais euh, tu vois, revenir des croisés comme ça, la fréquence d'appui, etc., c'est jamais évident honnêtement il a retrouvé tout son niveau. Euh, il est vraiment euh, étincelant, c'est le maillon essentiel. Enfin, Xabi Alonso l'a dit plusieurs fois, c'est le joueur le plus important euh, du Bayern. Quand il est euh, à 100%, il peut faire des différences. Et voilà, même si sur un match, tu vois, qui est pas parfait, qui manquait peut-être un petit peu de, de, de production offensive, ou euh, tu vois, Grimaldo et Frimpong n'ont pas été à leur meilleur niveau, ils arrivent à gagner. Donc, euh, moi, euh, je pense que il y a une Course au titre qui va être enfin ouais, euh, euh, voilà je, clairement c'est hein, ce, ce que c'est attendait depuis un bon moment le voilà le Dortmund a fait un choke monumental et euh, c'est incompréhensible mais là je vois vraiment les euh, Leverkusen et Leipzig tenir le Bayern pendant le moment là, moi, il y a je, beaucoup moi, de débats vrai, sur la qualité de joueurs de 2023 2020 machin plus créatif moins créatif machin nanan nan. heureusement qu'il y a quand même quelques joueurs à la Virtz Mousiala des types ça oui, oui. qui oui. sortent de temps en temps ah oui pour Nous faire quand même bien plaisir parce que franchement, là le Virts il est bouillant ouais. et il a un avenir est qui est tout désigné pour il est aller dans le C'est un 2003, c'est un 2003 ça donc il a 20 ans euh, ouais, et bah, surtout sorti de ça, il est sorti d'une très grave blessure. Mais Vous oui, il est revenu il y a six mois seulement et donc, ouais. et malgré ça, il évolue à un niveau qui est indécent. Où franchement Il après... est très fort, non, mais en fait, moi ce qui me fait me dire que il va y avoir cette bataille en tout cas, au moins avec les Verkusen, c'est qu'en fait, cette équipe c'est pas City qui était le Real aussi, non, c'est le Bayern, ça met mais une petite option aussi. Ah oui, à moyen, oui. Ce qui me fait me dire que, ce... que ça va tenir, c'est qu'en fait, dans cette équipe, il y a des fondations. Il y a un plan de jeu qui est clair. Il y a des joueurs qui sont haut niveau, partout, en attaque, mmh. Boniface. A... Il ah oui. hein, oui, euh, mais... ouais, y qui était relégable Il y a une hein. en fait. Il Des joueurs en confiance. Euh, tu as, as deux latéraux. Enfin, tu as Frimpong et Grimaldo. Enfin, je veux dire, c'est le feu. Euh, L'équipe, elle est vraiment trop costaud. Euh. On avance avec du coup bah, la première ligue. Exact. Tu voulais nous parler de Chelsea du coup. Oui, j'ai regardé mes amis. De Chelsea Et après les avoir taquinés pendant un long moment, je me suis dit allez, on va être sympa, ça va un petit peu mieux. Ils sont sur trois victoires. Ils avaient fait Brighton, Fulham, Burnley. Je me disais allez, c'est peut-être le moment pour eux de réussir. en plus un match nul après derrière contre Arsenal. Donc je me suis dit c'était l'occasion pour eux de faire quelque chose de bien. Donc je me cale devant eux. Première mi-temps. Première mi-temps. Plutôt Cali, voilà. Ouais. Mais c'est une mi-temps qui ressemble à certains de leurs mauvais matchs de début de saison, de toute façon. Mais bon, voilà, je me suis dit, ok, première mi-temps, ça se crée pas mal d'occasions. Il y avait quand même des absents, par exemple, il n'y avait pas Enzo Fernandez, tu vois, mais au milieu, tu avais, euh, avais Gallagher, tu avais Caicedo, euh, tu avais euh, Nicolas Jackson, tu avais Sterling, euh, tu vois. Donc je me dis tu avais Cole Palmer, Cole Palmer qui était en très grande forme. Donc je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, ça peut être quand même quelque chose de sympa. première mi temps il se crée quand même un certain volume d'occasions et de situations, surtout pas tant d'occasions que ça. Ouais. Ils en ont eu des occasions, mais mmh. c'était surtout des situations. Tu vois des situations où ça pourrait conclure à et classique, pas de finition, pas de tueur, pas de but. Donc à 0-0, Brentford n'existe quasiment pas pendant le 40 minutes. Vraiment, dites-vous que Brentford, qui est quand même pas une équipe de merde, euh, n'existe pas. Arrive la deuxième mi-temps et la deuxième mi-temps, patatras. C'est à dire que la deuxième mi-temps, il se passe genre sur un rythme beaucoup moins élevé, beaucoup moins d'intensité, beaucoup moins de situation. Fantastique de travail de Brian Bemo sur le premier but pour ensuite réussir à se mettre en position de centre, centré, limite une cloche mm. pour euh, Pitcock qui arrive au second, euh, je crois, dans le dos de Dissazie, euh, pour réussir à, à, à marquer. Donc ça fait un 0 Et là, à partir de là, ils ont fait que pousser, pousser, pousser sans réussir non plus à avoir euh, là, les occasions. Et fin de match euh, sur un énième contre, euh, Bemo qui marque. Euh, terrible parce que c'est une équipe vraiment, euh, quand tu regardais la data, quand tu regardais les éléments, quand tu regardais le fond de jeu, ouais. tu te dis. Quand ça va prendre, ça va être pas mal. Ouais, ouais, ouais. Et quand ça va prendre, ça va être pas mal quand même. Et franchement, foncièrement, c'est pas mauvais et c'est pas faux. Mmh. Mais... Il faut que ça prenne un moment, ouais. parce que si ça ne prend pas, tu as ton taux de confiance qui augmente pas, et là, ils sont encore au devant de matchs très compliqués. Ils ont réussi, sur un match compliqué face à Arsenal, à ne pas être ridicule, et même être assez bon, même s'ils se sont fait prendre, et à faire nul. Ils ont réussi à sortir Brighton en cup, donc tu dis quand même qu'ils ont des ressources, tu vois. C'est moins l'équipe de losers infini là, qui avait trois victoires en Première Ligue, je crois, ouais. en, en quelques mois. Mais si tu veux une stat d'assassin, depuis début 2023, Brentford a plus gagné à Stamford ah, Bridge vu que passé Chelsea cette stat. D'accord. Ils ont plus gagné à Stamford Bridge ouais. que Chelsea. C'est ouf. C'est pas vrai. <laughs> c'est ouf. Et, et Brentford et Brentford il joue au Vital Stadium hein, si jamais. Ah ouais, ouais. <laughs> et donc du coup, c'est quand même une dinguerie. Donc je, je pense que ça peut prendre un moment. Ils ont quand même beaucoup d'absents. Voilà, c'est évident, faut le dire. Nkunku, quand il va revenir, ça va faire du bien. Euh, ils vont avoir du monde qui va qui vont aider à les revenir, mais je trouve toujours l'effectif un peu mal construit à certains oui, oui, égards. Oui. Pas impérial. Euh, le, le, pour l'instant Robert Sanchez je le trouve pas impérial la défense elle a ses hauts ses bas euh, même un mec comme Will, fort je le trouve aussi assez on off euh, Rhys James qui a toujours ses pépins ses absences, mal Augusto qui s'était pris un rouge, euh, la période d'adaptation de Caicedo quand il arrive, Cole Palmer lui par contre qui arrive qui était direct au niveau. Ouais, il était déjà dans le rythme lui. Exactement, hein. mais euh... Nicolas Jackson qui a du mal encore sur sa finition et sur le volume d'occasions qu'il arrive à avoir. Donc franchement, c'est toujours pas une équipe pour moi qui fera dans les cinq premiers, je lui vois beaucoup d'équipes encore devant. C'est une équipe construite pour l'avenir mais dans cet avenir il faut pouvoir engager de la confiance. Ouais. Pour mmh. l'instant, ils ne le font pas. Et il n'a pas énormément. Et c'est pour moi ça le le, le le point le point très important. Bon messieurs, euh, malheureusement on n'aura pas le temps de voir euh, autre chose parce que il <laughs> y a un train euh, à prendre ce soir et il y a une cérémonie. Donc forcément on est obligé des court termes un peu tu les tu débats. Tu t'es jamais monté dans le train. Hein. Mais, <laughs> mais la semaine prochaine, euh, bien sûr, on, on essaiera de, de faire un, un tour d'Europe un peu plus long. On le fera avant euh, la Ligue 1. Vous connaissez hein, maintenant, dés, désormais, on essaie d'alterner entre les deux pour avoir plus de temps pour parler d'un peu tout. Mais n'oubliez jamais qu'on ne peut pas parler de tout. Euh, messieurs, c'est l'heure du Pronogate. Je crois que Poinot doit te parler, oui. euh, Zach. Il oui, a oui, un oui. truc à te dire, donc je, je te <rire> laisse <rire> aller le voir. <mois>. <laughs> Merci Zach pour cette émission, c'était un plaisir. Merci, Et on Zach. enchaîne avec le Pronogate, c'est parti Je crois que je suis dernier. Bruce qui commence la séquence par pétard. Ah, parce que je veux juste pas être dernier, c'est il, il sait ce qu'il l'attend, Bruce. Alors, non, pas qui sûr. Passé mais... euh, la semaine passée, on va regarder le classement de SpronoGate. Est-ce que j'ai toujours la première place Parce que ça m'a beaucoup taillé la saison passée. Je me suis dit que je vais, je vais remettre un petit coup de boost. Et Voilà. Quoi on, on met un petit 3 points. Mais vous à avez Kanto. tous passé un combi ou quoi Ouais. Ouais. Ah ouais. Voilà. Mais comment ça là, je suis à 4 points du. <laughs> Ouais alors alors oui on n'entend pas Poineau Poineau vient d'expliquer les choses en gros j'ai passé mon my match donc voilà j'ai pris deux points en plus et Kanto a passé son my match avec une cote à plus de 5 donc en gros il prend trois points je sais plus il avait mis un truc avec plein de ce que faudrait vérifier est-ce que les douilles ont connu non mais j'ai regardé les mail match ils sont vérifiés c'est pas le jury de Tyson Fury Bruce le est bien dernier il n'y a pas de il a pas de corruption c'est ça la corruption justement c'est scénarisé c'est pour faire une remontada moi j'ai pas passé de my match le moment donc ouais. ça me nique aussi. Je pas ça si va venir. Je pense. Il va falloir que tu tentes des maillot matchs à plus de 5, Bruce. C'est là où tu vas commencer ça, à lancer les... sa C'est les conseils ah, d'un nulard de quelqu'un <laughs> qui, a, qui a connu qui était épinglé à la dernière place et qui essayait de remonter. <laughs> non, mais j'en avais marre. On n'arrêtait pas de me tailler pour, euh, pour ma ah saison bah, dernière. Là, là je là, là, me suis remis, euh, attends, suis remis moi, moi, au, moi, au sérieux. Il y, y a eu une erreur parce que j'étais à 4 points la semaine dernière. Il n'y a pas d'erreur. J'ai placé 2 points cette semaine. Pourquoi tu n'as pris qu'un point, tu pris qu'une quota 2 points. Match nul Milan. Match nul Milan OK. City City, j'ai mis City donc deux points je suis ouais, à 6 points. tout le monde quasiment a mis bah City par moi. Donc j'ai deux points je suis à 6 points, j'étais à 4 points. Et aussi ouais. si on veut me niquer à 24. Bon, vous pouvez rajouter. <laughs> ah non, mais moi on veut toujours me niquer. Vous pouvez <laughs> rajouter un point. Et bref, ça changera pas grand-chose. J'avais mis match nul, j'étais pas loin du côté. Non, <laughs> rajoute-moi mon point, je suis à 6 points hier à la mi-temps, Milan a gagné 2-0. Donc pour moi, ils avaient gagné le match. Donc ah oui. effectivement, il euh, ah, y aura a un petit bien. changement en classement. Bah, Désolé. Mais un point supplémentaire en oui. bonus parce que c'est pour les fois où tu vas mis de chouiner, aussi. des arrête plutôt. de chouiner. Je pense que t'es toujours dernier. Quoi. Oui, <laughs> mais c'est pas grave, je me rapproche. Je fais pas hey. trop le malin Pipion. parce que. Hey, 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 mais Fouano. non, mais c'est grave de m'enlever des points tout le temps. Poino, je crois qu'après l'émission, Bruce, il va t'attraper allez, hey. vous allez revérifier tous les points de la saison. Toi, je vais te faire un débris, je peux te mais dire qu'il va installer. Il va mettre une réunion dans mon agenda demain à 8h. Il va me le... la faire l'affaire à l'inverse. Bah, Ruben, tu peux me détester bah oui, comme mais... ça, je mais... sais pas. Et, et, évidemment, non, mais il y a vraiment un complot contre toi et j'en suis parfaitement conscient et d'accord. Je suis d'accord avec toi. Merci. Comme Accord Adams. Messieurs, on enchaîne, c'était nul ça. On enchaîne Ouais, mais aussi, fais semblant de rigoler, Bruce, me laisse pas couler, laisse pas couler un ami. cousin. la vérité, je peux pas faire semblant, mais là, c'est mal STV, là. Laisse pas couler un ami, ça se fait pas. Alors, Real Sociedad contre le Barça, ça c'est le match de la Liga qu'on a pour cette semaine. Newcastle Arsenal, gros choc en première ligue, Marseille contre Lille, et bien sûr, la Fiorentina. Contre la UV, ça c'est euh, les matchs de la semaine. On affiche les résultats, les pronos euh, de chacun. Euh, voilà, on n'a on on a plus trop de temps les gars, donc on, on essaie de, de tracer un petit peu. Si vous voulez, faites un petit screen hein, pour voir vraiment euh, tous, les, tous les pronos de, de la team. Ensuite, on enchaîne avec les My Match et ce sera sur le classiqueur Borussia Dortmund contre le Bayern euh, le my match vous le connaissez avec euh, notre partenaire Winamax vous allez sur le site et en fait vous pouvez faire une sélection de plusieurs euh, de plusieurs nice. options sur <laughs> 5 piles il est vénère hein, oui. sur les <laughs> matchs ah, c'est une liste de course encore hein. ça c'est c'est canto c'est ouais, sûr je pense aussi puis un 5 piles il y a aussi un 3 piles putain faut le faire hein. c'est vraiment le ras là Ah ouais <laughs> là c'est le centime et on vous laisse choisir du coup sur le chat le my match euh, qui euh, vous va le mieux, le my match que vous trouvez le, le plus euh, cohérent. Euh, le FC Gaze sera lié avec ce, match, ce my match là. Donc en gros, 1, 2, 3, 4, 5. On vous laisse voter, on vous laisse encore quelques secondes. A priori, vous partez sur le premier my match. Euh, vous, êtes, ouais, vous êtes quand même assez nombreux à citer ce my match là. Donc oui, on peut faire le reveal. Ce sera le my match du FC Gaze. C'était donc le my match 2. Vous plaît, on en régie, on envoie, on envoie, on envoie. Pento, le My match ouais. de Pento, exactement la salade. Euh, vous qui s'en sort bien encore une fois. Euh... Oh, je sais pas, <laughs> je m'en sors. Non, Thomas, parce qu'à chaque je fois sais. tu veux éviter le FC Games. Ah oui, ça. oui, oui. Euh, ils vont couler. Tu ouais. finirais devant eux. Ouais, on va, on, ils sont nuls. nul. On va regarder ça. Euh, voilà, voilà pour l'émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à toi, Pipion. Merci, les gars. Bon, merci train, à bon voyage. <laughs> merci, Bruce. Merci. Et... Moi, tu, moi, tu me dis pas bon train aussi. Bah, tu, 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 tu. Ah oui, bon train, bah, bien sûr, tu prends le train aussi ce soir. Bah, on ouais. prend le train depuis oublié. longtemps, on Mais est es déjà un dedans. T'es en Il première. La... toi bon, bon tapis rouge. Hein. Bon. Bah, merci ouais. beaucoup. Merci beaucoup. On... <laughs> on va essayer de passer une bonne soirée. Salut à tous et à lundi. Salut, les amis. Ciao.